Mesdames, Messieurs, c'est avec joie que nous vous recevons pour cette quatrième conférence de ce cycle annuel organisé conjointement entre nos deux pastorales, la pastorale familiale et la pastorale de la solidarité du diocèse de Namur. Bienvenue également à ceux qui nous rejoignent derrière leur écran. Nous remercions chaleureusement l'Université de Namur qui nous accueille pour cette conférence, ainsi que le service de la pastorale liturgique pour la sonorisation et pour la prise d'image. Aujourd'hui, nous abordons la question délicate de la protection des enfants et des mots que nous pouvons utiliser pour parler de l'amour en famille. Aujourd'hui, la famille est mise en difficulté par notre société. D'ailleurs, parler de la famille est devenu difficile. Il faudrait parler des familles, ou mieux, de parentalité. L'actualité, notamment avec la question de l'éducation relationnelle affective et sexuelle, pose des questions sur notre conception de l'amour. En 1991, Saint Jean-Paul II, dans son encyclique Sentissimus Anus, rappelle ceci, et je le cite. La première structure fondamentale pour une écologie humaine est la famille, au sein de laquelle l'homme reçoit des premières notions déterminantes concernant la vérité et le bien dans laquelle il apprend ce que signifie aimer et être aimé, et par conséquent, ce que veut dire concrètement être une personne. Fin de la citation. Ce soir, nous recevrons Madame Catherine Jongen, thérapeute des couples, sexothérapeute. Nous allons entendre... du discours de la, sur l'amour en famille et de la protection des enfants. Rappelons qu'en tant que chrétiens, nous sommes appelés à l'amour. Saint Paul nous le rappelle dans son hymne à l'amour au chapitre 13 de la lettre à la communauté des Corinthiens. Et il ne s'agit pas d'abord d'un amour fait des sentiments où la toute puissance est donnée. Aux émotions, mais de dépendre à l'amour dont Dieu lui-même nous aime et qui est de la Trinité elle-même. Et avant de donner la parole à Madame Jongen, nous, revenons, nous vous remercions déjà d'avoir accepté cette invitation. Et pour ceux qui sont en ligne et pour vous après cette conférence, je vous invite à aimer la vidéo, la commenter et même à la partager. elle sera pré-disponible sur la chaîne youtube du diocèse. bonne soirée à chacun. voilà, merci beaucoup nicolas, merci beaucoup mario et euh, colette aussi et maria teresa qui voilà avec qui on a préparé euh, cette soirée. Merci pour votre confiance. Alors, euh, quand j'enlève mes lunettes, je ne vous vois plus. Mais alors, sinon, je ne vois pas mon texte. Donc, je vais jouer avec ça. Ben voilà, comme ça. Alors, euh, donc, comme titre à cette euh, conférence, on, a, on avait réfléchi et on s'était on mis d'accord de lui donner comme titre Pour protéger nos enfants, osons parler d'amour en famille. Voilà. Puis j'ai rajouté après. Enfin hier, en regardant un peu de ce que j'avais écrit, et surtout, en fait, protégeons-les. Et on y reviendra euh, pour vous expliquer euh, des petites pistes. Alors, je vous dis quand même un peu plus d'où je parle parce que c'est quand même euh, voilà intéressant de comprendre les parcours des gens euh, quand ils viennent parler d'un sujet comme celui-ci. Donc, euh, j'ai fait des études de philologie classique, donc j'ai été professeur de latin et grec et religion. Euh, j'ai aussi étudié de la philosophie euh, ben, dans mon cursus. J'ai fait le bac en philosophie. Euh, j'ai travaillé comme journaliste à la Libre Belgique pendant deux ans parce que j'avais fait un bac en commun. Et puis donc j'ai enseigné le latin et le grec pendant des années. Puis après, euh, voilà, euh, entre-temps, je me suis mariée. Donc euh, je suis l'épouse de Frédéric. On est mariés depuis euh, bientôt 31 ans. On a quatre enfants. Voilà. Euh, et, et après, j'ai travaillé pour l'Église catholique. Euh, particulièrement pour faire des retraites itinérantes spirituelles. Donc j'ai beaucoup euh, marché dans le Brabant Wallon avec mon sac à dos et mes bottines pendant des, des heures et des heures. Et puis j'ai eu un poste un peu plus à responsabilité euh, parce que j'étais euh, responsable des pastorales des jeunes au niveau interdiocésain ou coordinatrice, on va dire. Et puis entre-temps, j'ai rejoint une ASBL euh, parce que quand j'étais dans les retraites, je m'excuse de vous raconter ça, mais c'est parce que c'est quand même important de comprendre d'où on parle. En fait, quand je faisais les retraites avec les jeunes, des rétos, en fait, ils il me parlaient énormément d'amour, tout le temps. Tout le temps. Et c'était les questions, vous voyez, on marchait pendant de 25 km. Parfois, je ne sais pas comment j'ai fait, moi, parce que je ne suis pas très sportive, dans le fond. Et donc, c'était tout le temps ces questions et la question, en fait, de l'amour durable. Donc, j'ai essayé de farfouiller pour voir comment je pouvais un peu euh, aider là. Et donc j'ai rejoint une, une, un groupe euh, de, de femmes euh, qui allaient dans les écoles et qui parlaient d'amour. Et puis là, j'ai rencontré énormément d'enfants de, différents. Et j'ai été profondément blessée euh, par la souffrance que beaucoup n'avaient jamais osé dire à personne. C'était la souffrance parce que leurs parents s'étaient séparés. En fait, c'est une souffrance aujourd'hui indicible. On ne peut pas la dire. Parce qu'en en fait... Aujourd'hui, on a parlé de la famille. C'est l'individu. Donc, quand je n'ai plus de, de quelque part, je, je caricature. Et donc, souvent, quand on parle de choses comme ceci, on caricature. Sinon, euh, on n'avance pas, quoi. Mais donc, souvent, c'est impossible pour les enfants, par respect pour leur, les choix de leurs parents, de dire que c'est difficile. Et ça a été terrible pour moi d'entendre, parfois, de, de très très nombreuses fois, des enfants qui me disait, des enfants, on va dire 14, 15, 16 ans, hein, euh, qui me disait pour la première fois, je n'ai jamais pu le dire à personne. Mais en fait, je n'ai jamais pu dire à quel point ça a été terrible pour moi au moment où mes parents se sont séparés. Voilà. Alors là, j'ai été choquée, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire et, et donc, j'ai repris des études pour être thérapeute de couple en me disant, ben, en fait, si j'aide ne fût-ce qu'un couple, je, je serais contente. Donc voilà, maintenant je passe ma vie euh, à écouter des couples et aussi des individuels pour essayer de faire tout, tout. Après, parfois, ce n'est pas possible. Et il y a toujours des histoires que nous connaissons où on se rend compte qu'il n'y avait plus d'issue possible. Mais je pense qu'il y a quand même souvent, enfin, moi, je vois dans mon cabinet, il y a quand même beaucoup de gens qui arrivent qui n'y croient plus, mais qui ont compris que moi, j'y croyais. Voilà. Comme ça, vous savez un peu d'où je parle. Alors. Euh donc, je vais vraiment suivre le titre. Pour protéger nos enfants, osons parler d'amour en famille. Un petit préambule avant, quelques généralités sur la sexualité. Donc moi, je vais parler en tant que sexothérapeute, pas en tant que théologienne, voilà, ni en tant que bibliste ou non, en tant que sexothérapeute. Alors, la sexualité de tout temps a profondément intrigué l'être humain. Mais qu'est-ce qui intrigue? En en fait le plus dans le fond est-ce que c'est la jouissance ou le lien que l'être humain a compris depuis des milliers d'années qu'il y avait entre excusez-moi la copulation et la naissance d'un autre être vivant bah, c'est le second évidemment si on s'arrête quelques secondes sur ce lien moi en tout cas j'ai presque toujours le tournis quand j'y pense il y a quelque chose qui nous échappe qui nous échappe mais complètement c'est je t'aime tu m'aimes, ben, petit à petit, ici à des jeunes ménages, on est attirés de plus en plus. Alors les le vieux ménages, normalement, j'espère qu'ils s'en souviennent quand même. Hein. Et en fait, tout à coup, on est tellement attirés l'un par l'autre qu'on ne fait plus qu'un. Et de ce un, neuf mois plus tard, souvent, il peut y avoir un autre petit qui arrive. Il n'est ni toi, ni moi, il est complètement différent. En plus, il est unique. Moi, ça me fascine. Chaque fois, je vous vois, par exemple ici devant. Je dis, même sans mes lunettes, je vais mettre mes lunettes. Je vois bien que vous êtes très très différents. Tous au niveau des cheveux, des yeux, des expressions, des sourires. Et en plus, on se dit, on n'y a aucun, nulle part, le même que vous, quoi. Moi, moi, ça, moi, moi, j'arrive pas à m'y habituer. Bon. Donc, on est unique et donc et donc rare, très 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 rare. Et donc, évidemment, sacré et merveilleux. Déjà dire ça à nos enfants, hein, ça change la vie. Déjà dire, mais tu es sacré, toi. Tu es unique. Bah, donc, moi, ce que je crois, alors après, je ne vais, vais pas le dire chaque fois. Tout ce que je vous dis, c'est ce que je crois. Après, on peut discuter. Bon, maintenant, c'est moi qui ai la parole. <laughs> donc, j'en profite. Donc, ce qui intrigue le plus, selon moi, bah, c'est ce qui nous échappe, c'est-à-dire l'émergence de la, de la vie qui est le fruit d'une rencontre. Alors, donc ça, c'est un peu la base, selon moi. Ensuite, il y a 1968 qui est arrivé. Alors, moi, je suis née. <laughs> si je fais toujours la blague, c'est idiot. Bon, euh, le 23 décembre, donc j'aurais pu naître en 69, mais non, malheureusement, je suis née en 68. On est entré dans une ère, alors évidemment, ça va nous nouveau être très rapide, parce qu'on pourrait en parler pendant 20 heures de cours là-dessus, hein, sur cette problématique et j'ai euh, deux pages. Nous sommes entrés dans une ère où le, flammeux, le fameux slogan Interdit d'interdire n'a pas fait que du bien. Un de ses méfaits parmi tant d'autres est évidemment la sacro-sainte liberté concernant, entre autres, par exemple, je, je vais tout de suite dans le tas, des films pornographiques et son visionnage par des enfants de plus en plus jeunes. Voilà. Les États ne vont quand même pas interdire. Enfin, mon Dieu, au niveau idéologique, on pourrait paraître je ne sais pas quoi. Bon. En fait, c'est intéressant parce que les États, on le sait très très bien, ils pourraient de manière excessivement simple euh, utiliser des techniques pour faire en sorte que l'accès aux films pornographiques ne soit par exemple accessible qu'au moyen d'une carte visa. Un enfant de 8 ans, déjà pour savoir qu'il doit avoir une carte visa, vous voyez, hein alors peut-être qu'à 16 ans, ils commenceront à... Voilà, mais non. Donc, c'est quoi les freins par rapport à cette pseudo-liberté C'est des freins quoi Idéologiques Financiers C'est quand même intéressant de se poser des questions par rapport à ça. C'est dramatique ce qui se passe. Alors, peut-être nécessaire, cette révolution sexuelle a beaucoup démoli. On appelle ça d'ailleurs la déconstruction. Et souvent, les déconstructeurs trouvent qu'ils font des choses fantastiques de déconstruire tout. Ça avez quand même, euh, je ne sais pas moi, 4000 ans d'histoire qui sont déconstruites. Il faut quand même réfléchir. Quel manque d'humilité quand même. Enfin, moi je trouve. Et donc on a oublié que l'être humain a aussi besoin de balises, de cadres de référence, de tuteurs pour croître harmonieusement. Ben oui, l'être humain est un être potentiellement, je pense, très bon, très intelligent, mais à qui il est nécessaire de donner des informations claires afin qu'il puisse... Grâce à son esprit critique, et dans l'introduction, vous l'avez très bien dit, se forger sa propre éthique de vie et donc son éthique sexuelle. On est passé, on pourrait dire, parce que je ne l'ai pas écrit plus loin, donc je, je vous le dis, parce que, on est passé d'une éthique euh, de, du bien ou d'une éthique de la vertu, tu ne tueras pas, tu, 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 tu de, 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 de ne convoiteras pas la femme de ton voisin, c'est-à-dire tu ne coucheras pas avec elle, etc., euh, à une éthique du choix que tu choisis librement ce que tu fais, d'aller euh, faire ce que tu veux partout, tant que tu le choisis aujourd'hui, c'est ça qui est bien. Donc c'est quand même un peu compliqué. Alors on pourrait dire de manière très très schématique qu'on est passé d'une société, je parle bien de celle du 19e siècle et pas des, des, des 18 autres siècles ou des, des 40 siècles avant. Qui de fait au XIXe siècle, surtout dans la haute bourgeoisie, etc., était très pudibonde et sans doute barricadée par beaucoup beaucoup d'interdits au niveau de la sexualité. Et ce qu'on oublie de comprendre toujours que c'est dû entre autres à l'apparition de la science médicale moderne du XIXe qu'il y ait vie sexuelle à productivité. Donc on ne chipote pas à ça parce que quand on fait trop, on a trop de relations sexuelles, on est moins productif. Donc il y avait la derrière tout à fait. Bon. Donc, c'est vrai que cette pudibonderie n'est sans doute pas nécessaire. Mais on est passé de cette société pudibonde et barricadée par sans doute trop d'interdits à une société du voyeurisme et du tout permis. Quand même, il y a de la marge. Hein on pourrait peut-être trouver un juste milieu. Tous les professionnels de la santé, enfin en tout cas ceux que moi je lis et que je trouve au, enfin, euh, au service des, des êtres humains, on va dire, euh, donc, non seulement concernant le voyeurisme, l'imaginaire d'un enfant se construit sans images ou avec des images qui respectent l'imaginaire. Et concernant le tout permis, un enfant se construit avec des balises qui lui apprennent qu'il n'est pas tout puissant, qu'il y a des limites et des interdits. Je parlais encore l'autre jour avec une de mes amies pédopsychiatre et qui me disait que dans le fond, le plus grave aujourd'hui, euh, ce sont pas de traiter les traumatismes. C'est ce la problématique de la toute-puissance infantile qui n'a pas été limitée. Ça fait des enfants qui sont beaucoup moins structurés. Alors, aujourd'hui, vous le savez, on trouble l'imaginaire des enfants, que ce soit par l'apport de pubs sexualisés, etc. Et c'est la raison pour laquelle, plus qu'en d'autres temps, il me semble nécessaire non seulement de répondre aux questions de nos enfants, mais aussi d'initier la conversation afin de les aider à se construire de belles représentations sur les choses de la vie et de l'amour, avant d'être contaminés par ce qu'ils entendent des voix. L'idée, évidemment, est de ne pas, en tant que maman ou papa, provoquer nous-mêmes des effractions psychiques, en leur parlant de manière crue du sexuel adulte, hein, mais plutôt de manière métaphorique, en utilisant, donc je reviendrai évidemment après, par exemple, des contes. Pour leur raconter les grandes questions de la vie. C'est-à-dire que si vous les aidez à voir la beauté et la grandeur de leur corps, leurs yeux, leurs oreilles, leurs mains, et de leur intelligence et de leurs émotions, ils seront plus forts pour encaisser les images et paroles traumatiques extérieures. Voilà. Comme si vous leur construisiez un pare-choc intérieur. Voilà. Alors, mais ça vient d'où, dans le fond, ce slogan de la révolution sexuelle, interdit d'interdire hein Quelque... Parce que voilà, c'est quand même important de comprendre d'où ça vient. Alors, la première véritable percée des dérives idéologiques sur la sexualité et son éducation. Hein On éduque à la sexualité hein, dans, dans les manuels. Hein, euh, enfin, je ne vais pas le montrer. Dans les manuels qui sont quand même fort contestés aujourd'hui par énormément de, 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 de spécialistes de la santé mentale. Donc, la première véritable percée des dérives idéologiques apparaît avec les pseudo-études d'Alfred Kinsey. Voilà. Ça, c'est un de ces deux livre qui a contaminé tout l'Occident, d'abord les États-Unis et puis l'Occident. Alors, ce soi-disant chercheur est en fait donc un entomologiste, un spécialiste des insectes, et c'est en fait, on a pu prouver en étudiant sa vie puisqu'il est décédé maintenant, un grand pervers sexuel. Il faut quand même oser dire les mots, donc sado, maso, pédophile, pornographe et tout ce que vous voulez. Alors, ce monsieur, donc dont je viens de parler, crée en 1947, soutenu par la Fondation Rockefeller, un institut de recherche sur les questions de la sexualité qui va devenir l'institut Kinsey. Cet institut, tenez-vous bien, est toujours actif aujourd'hui et a obtenu en 2014 un statut consultatif spécial auprès du Conseil économique et social des Nations Unies. Voilà. En 1948, il publie donc son pseudo-rapport, celui-ci, sur la sexualité masculine. J'ai pris celui des, des hommes là, et en 53 sur la sexualité féminine. Il biait ses échantillons en interrogeant des délinquants emprisonnés, des prostituées, et en faisant passer ses résultats pour ceux de la société américaine. Plus grave, ensemble sont l'ensemble des expérimentations sexuelles qu'il recense auprès de nourrissons, d'enfants et d'adolescents. Donc je prends toujours ce livre pour les gens qui ne me croient pas. Il y a les tableaux, ok, dedans. En fait, je vais vous dire franchement, j'avais lu ce que je vous dis là dans un livre qui s'intitule euh, Danger de l'éducation à, la... à la sexualité pour les enfants et les adolescents. Et puis je me suis dit, mais Catherine, tu vas quand même souvent parler de ça à gauche à droite. Faudrait peut-être. J'avais vu le tableau qui était photocopié. Puis je me suis dit, on oh, sait jamais dans le fond. Donc j'ai acheté ce livre l'été dernier juste pour vérifier si ce tableau était dedans. Et en fait, quand je l'ai vu, j'étais encore plus triste. Je me suis dit, oui, c'est vraiment le réel. Quoi. On a vraiment maltraité des centaines d'enfants pour arriver à ces tableaux. Voilà. Alors, ces recherches s'appuient donc sur les résultats d'agressions sexuelles sur mineurs que lui transmettaient des pédophiles dont de nombreux furent condamnés par la suite. Euh, Kinsey, évidemment, prône la libéralisation de la pédophilie. En 1953, Hugh Hefner, un comparse, un prenant qui ne sait comme référence absolue, lance le célèbre magazine Playboy, qui va rendre le porno normal, donc ça devient quelque chose de normal, et provoquer une inversion normative à tous les niveaux concernant le sexuel. C'est-à-dire que avant, la jeune fille qui essayait de rester euh, vierge avant le mariage était considérée de manière plutôt positive à partir de 53, elle est ringarde et pour tout comme ça celui qui est fidèle à sa femme a toujours été considéré comme honnête et bien après il est bête et on peut, on peut faire ça pour tout tout, tout alors très rapidement l'institut Kinsey a infiltré toutes les institutions internationales il y a d'abord la création en 1964 du SIECUS, ce qui veut dire le Sex Information and Education Council of the United States, qui intègre la philosophie Kinsey dans le matériel d'éducation sexuelle pour les enfants. C'est le docteur Mary Calderon, à l'époque directrice du planning familial, qui en est la première présidente. Donc le lien toujours avec le planning familial aussi international. Calderon appelle sa philosophie de sexe gratuit une nouvelle religion. Donc, cette philosophie, c'est une nouvelle religion. Elle refuse de se distancier du plaidoyer sidérant de Kinsey pour la pédophilie. Elle dit Les principaux effets de la pédophilie ne sont pas causés par l'événement lui-même, mais par les réactions indignées de colère ou de peur des adultes qui l'apprennent. Donc, moi. J'entends énormément d'enfants, enfin d'adultes, qui enfants ont été abusés, qu'ils l'ont jamais dit à personne, jamais, parce qu'ils avaient trop honte, et ils sont traumatisés. Donc c'est du grand, grand, grand n'importe quoi ce qu'elle dit cette dame. Enfin c'est vraiment de la pure perversité. Un certain roi toujours de la même bande, qui fait partie du bureau fondateur va encore plus loin en disant ceci. Donc restez accrochez-vous. L'inceste, rappelez vous, l'interdit de l'inceste est interdit, un interdit qui structure toutes les sociétés. On ne couche pas avec ses enfants ou avec son frère, ou avec sa grand mère, ou enfin voilà. Donc pas de sexualité au sein d'une famille. C'est ça l'interdit de l'inceste. Eh bien il dit L'inceste entre les adultes et les enfants plus jeunes peut également s'avérer une expérience satisfaisante et enrichissante. Tout ça est sourcé, hein, si, parce que bon, parfois les gens disent que tu exagères, mais non, je n'exagère pas. Dans les manuels scolaires, l'accent est mis, donc hein, fait par le, le si et cous, là, est mis sur le sexe sans risque, l'amour libre et l'utilisation du sexe pour obtenir un plaisir individuel. Il est préconisé, dans, dans, dans toutes ces affaires-là, d'enseigner aux enfants qu'ils sont des êtres sexuels dès la naissance et qu'ils doivent être conscients de l'existence de tous les types de comportements sexuels. Ce qui pose véritablement question, comme l'a constaté Maurice Berger, qui est un pédopsychiatre français, athée, qui a fait des avortements, plutôt un homme de gauche. C'est que les textes de l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, et de l'UNESCO, et des standards européens pour l'éducation sexuelle, ainsi que donc le nouveau guide EVRAS qui vient de sortir en communauté française donc en septembre, relèvent tous de cette même idéologie. Ce type d'éducation, Selon euh, une autre euh, euh, psychologue, je pense que les pédopsychiatres qui travaillent avec Maurice Berger visent un véritable formatage de la pensée des enfants vers des pratiques sexuelles clairement libertaires. Intéressant aussi de savoir que la déclaration des droits sexuels du planning familial international, donc l'IPPF, a été construite en étroite collaboration avec l'Association internationale des gays et lesbiennes, l'Igla. C'est important de savoir ça. Et l'Igla a très régulièrement des problèmes euh, euh, avec des accusations de pédophilie en son, son sein. C'est intéressant de savoir ça. Voilà. C'est important de le savoir. Et peut-être que je ne vous l'ai pas dit, c'est très très important de comprendre en tant que citoyen. L'avancée d'accepter euh, les adultes tant qu'ils respectent la loi avec leur choix de vie, c'est une affaire extrêmement importante, hein, quel que soit euh, tout ce qu'on peut imaginer, euh, voilà euh, la couleur de leur peau, leur orientation sexuelle, euh, etc., leur identité de genre, et d'induire tout ça au niveau des enfants. Moi, je ne parle pas des adultes ici, je parle des enfants. Je veux bien qu'on très important pour moi que les gens comprennent que je ne parle pas des adultes, c'est pas mon sujet. Enfin intéressant donc aussi de savoir qu'en 2008 et 2009 sont rédigés à Cologne des standards pour l'éducation sexuelle euh, en Europe. Alors il est d'ailleurs très important de noter que ces standards ne sont pas écrits par des professionnels de l'enfance. Il n'y a pas de pédopsychiatre présent dans ces dans, dans, dans les comités qui écrit, qui ont écrit tous ces standards. Mais sous l'influence, comme le dit Maurice Berger, de groupes idéologiques militants, dont par exemple SENSOA, que vous ne connaissez peut-être pas. SENSOA est un groupe très puissant euh, en Flandre et qui est sponsorisé par Durex. Alors, ces standards sont publiés sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé. En 2010, en dépit de l'absence totale de validité scientifique et du danger majeur pour la protection des enfants. C'est bizarre quand même. On se demande si ce que je dis est vrai pour finir. Je vous jure que c'est vrai parce que j'ai suffisamment lu que pour vous dire que tout ce que je vous raconte, je n'ai pas inventé pour juste un peu être stressé les gens. Alors, ce détour pour vous dire d'où venait cette conception de la sexualité où est complètement délié l'amour de la sexualité et de la reproduction. D'ailleurs, je me souviens que quand je faisais mes études, donc mon master en sciences de la famille et mon troisième cycle pour être sexothérapeute, beaucoup de profs en étaient extrêmement fiers. Prenaient ça comme une avancée, en fait, de libérer les trois, de délier. Alors, il y a, selon moi, une autre, une autre conception beaucoup plus avant-gardiste, beaucoup plus audacieuse que celle-là. C'est mon avis. Qui désire relier l'amour, la sexualité et la reproduction, ou ce qu'on pourrait appeler la filiation, quand même. Je me reconnais là-dedans, comme de très nombreux grands auteurs contemporains en matière d'amour. Voilà. En tant que thérapeute de couple, ça, je peux vous garantir, les histoires très nombreuses que j'entends dans le secret de mon cabinet me poussent toujours plus à comprendre que cette conception mène vers plus de bonheur. Et qui ne cherche le bonheur Et vraiment, je pourrais vous donner des, des dizaines d'exemples de ce que je viens de vous dire. Et en fait, l'être humain en général, il cherche, il cherche en fait quelque chose d'assez simple. D'ailleurs, souvent quand on va dans les classes, on leur demande à un moment donné, mais c'est quoi votre aspiration la plus grande au niveau de l'amour euh, Et presque toujours, ils disent, ben, enfin, d'ailleurs, ils nous regardent parfois d'un air un peu idiot, ils disant pourquoi je pose cette question C'est tellement évident. Ben, c'est d'être aimé pour toujours par la même personne. Un grand classique, ça marche toujours. Et je crois que c'est le désir profond de chaque être humain. Après, évidemment, on a chacun nos histoires, nos blessures, on fait comme on peut, comme on dit. Mais c'est un désir et il ne faut pas casser ça dans le cœur des enfants. Alors, pour protéger nos enfants, bah d'abord, je me suis dit, tiens, c'est quoi d'abord un enfant, c'est quoi un adolescent Alors, je vais vite. Quelques sous Donc, comment ça se développe C'est ça la question. Comment ça se développe, en fait, un petit être humain Quelques sous scientifiques pour comprendre les développements biologiques et psychoaffectif de l'enfant et biologique, psychoaffectif et sexuel de l'adolescent. Alors le petit, au niveau biologique, pour comprendre notre sujet, revenons à ce que nous savons de la jeunesse de chaque être humain. Quand on regarde de près ce qui se passe lors du début de la vie humaine, un des premiers éléments que l'on peut savoir, c'est si l'être humain sera mâle XY ou femelle XX. Le sexe est donc biologiquement binaire. Voilà. C'est bien alors de la fécondation de l'ovule qui compte 22 chromosomes, plus un chromosome X par le spermatozoïde, qui compte également 22 chromosomes, plus un chromosome X ou Y que ce programme. On pourrait, on pourrait même dire est créé pour toute la vie le sexe de l'être humain, mâle ou femelle. Donc ce n'est pas une création personnelle. Est, on est créé comme ça. En effet, l'être humain dans chacune de ces cellules comptabilise 46 chromosomes, dont ceux qui déterminent son sexe. Donc on est, on est sexué du bout des ongles en passant par le nez, par les dents, par les pieds, partout quoi. Quand même intéressant de savoir qu'on est garçon ou fille partout, pas juste parce qu'on a un zizi et une zézette quoi. Le cerveau est sexué, c'est super important. Toute sa vie, chaque être humain est dans ses cellules mâle ou femelle. Bah, le but, c'est quoi C'est que à un moment donné, mâles et femelles s'attirent afin de se reproduire. Voilà. Bon. Il est fondamental de. Excuse-moi de, de redire des choses très simples, hein, mais parfois ça fait du bien. Il est fondamental de prendre conscience que nous avons été créés pour être des aides de relation et, en d'autres mots, pour donner et recevoir. En fait, si on réfléchit, bah, on est évidemment donc le fruit d'une relation. C'est la rencontre de cette relation qui fait qu'on est là. Euh, donc. Pour répéter encore une fois autrement, c'est la rencontre entre un homme et une femme, un ovule et un spermatozoïde. voilà. Et une des grandes choses qu'on sait à cette instance précise, c'est que tout notre corps sera sexué et que normalement, ce sera toujours XY ou XX dans 99,90% des cas. Bien entendu, dans la nature, il y a toujours des particularités, mais c'est des très 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 rares particularités. Donc notre corps, il est créé pour quoi faire Pour créer, l'être voilà, humain. Donc ça j'ai déjà dit. Continuons d'examiner rapidement le développement de l'être humain in utero. Biologiquement, dans le ventre, en ce qui concerne notre sujet, il y a déjà des petites érections. C'est vrai. Il y a déjà de la petite lubrification, de la vasocongestion. Le corps, en fait, se prépare pour donner la vie et donc pour la relation sexuelle. C'est pas pour ça que c'est du sexuel. Ces phénomènes n'ont absolument rien à voir avec le désir sexuel qu'un être humain pubère pourrait ressentir. J'ai bien dit pubère. Cependant, la sexualité, source de vie, est une force très 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 puissante. C'est une pulsion créatrice. Donc, une pulsion qu'il va être indispensable de canaliser. Voilà. La force de la sexualité, celle du désir sexuel. Plus tard, hein, à la même origine que la pulsion de survie que le corps a ôté automatiquement pour par exemple respirer. Souvent avec les jeunes, je leur dis on va se boucher le nez. Alors, on se bouche tous le nez, on va voir combien de temps on tient. Ben, vous vous rendez bien compte que se suicider par bouchage de nez, ça n'existe pas. Pourquoi Parce que la pulsion de vie, qui est le niveau du, qui, qui, se, qui, qui se cache ici dans le, dans le, le cerveau pulsionnel, n'est est tellement forte qu'on ne va pas se laisser mourir. Donc, après, parfois, j'ai des garçons très, très euh, volontaires qui, qui tiennent jusqu'à deux minutes et demie, trois minutes, mais c'est rare, plus. Et on peut voir aussi que le cerveau pulsionnel, il est fantastique quand on mange une arête, par exemple. Qu'est-ce qu'on va faire On va commencer à tousser très fort pour que cette arête... On, on ne réfléchit pas. Que vais-je faire, maintenant, pour enlever cette arête Vous voyez Ou quand on a avalé l'eau le, dans le mauvais trou, là, c'est atroce notre sensation de mourir, ou je sais pas, ou bien euh, quand il oh, y a quelqu'un qui nous met la, la tête dans l'eau, là, vous voyez, on va, on, va, on, va, on va tout faire pour vivre. Ben, la force du pulsionnel sexuel, c'est se de la mémoire. Donc vous imaginez bien que si on le canalise pas un petit peu, ça va dans tous les sens. Voilà. Alors, donc c'est la lutte contre la mort. Donc le pulsionnel sexuel, c'est la lutte contre la mort au niveau de toute une société. Voilà. Donc c'est quand même très important. Euh donc, les érections, les lubrifications au stade embryonnaire et au stade infantile donc, sont uniquement des moyens pour faire fonctionner au niveau corporel les organes génitaux. Le désir sexuel ne viendra qu'avec l'entrée dans la puberté et devra donc être éduqué. Donc, parler dès lors de droits sexuels, comme le fait l'OMS, l'IPPF, etc., pour les enfants, ben, c'est hyper dangereux en fait, euh, puisque l'enfant doit justement être protégé du sexuel et ne surtout pas être sexualisé. Alors, dans le cerveau pulsionnel, il existe donc une force présente dès sa formation, qui continue à se manifester tout au long de l'enfance et de la vie tout entière. Donc, il s'agit d'une force brute. On va dire telle une source qui jaillit et cherche un peu un lit pour couler. Elle ne sait pas très bien quelle direction prendre. Elle va prendre les chemins qui vont s'offrir. Et donc, l'image du barrage qui voudrait barrer cette force du pulsionnel est dangereuse. La meilleure est donc celle du canal, canaliser cette force, cette pulsion de vie. En expliquant les choses de la vie et de l'amour. On sait aujourd'hui que de nombreuses paraphilies, c'est-à-dire des bizarreries sexuelles, hein, par exemple ne pouvoir avoir euh, euh, un orgasme que si on voit une paire de chaussures rouges brillantes, par exemple, ou que si on touche un tissu euh, en, en, en soie, par exemple. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle du fétichisme. Donc ça, c'est une des bizarreries, mais il y en a beaucoup des bizarreries. Bon. Alors, souvent, les, 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 les paraphilies naissent des suites d'intrusions sexuelles traumatiques. Mais ça peut être des choses simples, et c'est là que nous, les parents, on peut être attentifs. Par exemple, si un petit enfant fait pipi, euh, je ne sais pas, euh, et, 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 et que quelqu'un dit. Euh, Touche pas ton petit Zizi, c'est trop sale. Vous voyez, ce genre de petites choses que, que parfois certaines personnes, je ne sais pas pourquoi, vont dire. Euh, ou ça peut être, par exemple, moi j'avais une patiente, elle avait entendu quand elle avait 8 ans euh, à la radio, sur un truc euh, style euh, Doc et Fool, des radios épouvantables vraiment, qui ont perverti toute une génération. Elle avait entendu un type, je vous passe les détails, euh, qui avait dit, oui, mais enfin, oui, je veux bien baiser, excusez-moi, hein, je veux bien baiser avec toi, euh, mais seulement si tu as une petite, chatte, une petite chatte qui ressemble pas à une escalope. Eh bien, eh ben, la petite patiente a eu un traumatisme seulement parce qu'elle a entendu ça et qu'elle s'est dit, mon Dieu, qu'est-ce que je dois voir que... Elle a été hyper angoissée, elle n'en a jamais, jamais, jamais parlé à personne. Et des trucs comme ça, il y en a tout le temps, enfin, dans les cabinets des sexothérapeutes. Alors, le développement psy psychologique de l'enfant. Donc c'est ça, de dire des belles choses sur le corps. Voilà, dire des belles choses. Par ailleurs, et pour rappel, d'un point de vue psychologique, un enfant n'est pas un adulte. C'est un être en développement. Son système neuronal est en voie de maturation. Ses capacités cognitives et intellectuelles sont immatures. Son fonctionnement psychique est changeant. Sa suggestibilité au discours des adultes est importante. Donc, il croit tout, il croit tous les petits. Et son expérience de la vie est toute petite. Voilà. Les pensées construites et les souvenirs conscients apparaissent. Par exemple, si lorsque la fillette touche son sexe et que la mère dit « Bec, c'est ça, elle arrête », vous voyez, de cette manière-là, moi, je vais la retrouver sans doute dans mon cabinet. Ou si la maman dit, écoute, c'est important de bien laver cet endroit car il est précieux, euh, il raconte que tu es une petite fille, euh, etc. Mais en, en public, il y a une pudeur. Vous enfin, voyez quelque chose d'un petit peu. Euh, ben ça, c'est tout à fait parfait de parler comme ça. Les bases cognitives, donc plutôt au niveau de ce cerveau-là, de la sexualité, seront évidemment très différentes. Donc ici, on, on pourrait parler du cerveau sexuel cognitif. Vous voyez, il y a le penseur de Rodin, euh, vous, on, normalement, on connaît tous, hein, il est comme ça. Et en fait, on a remarqué en neurosciences que quand on met sa main sur le front, en fait, on a un afflux de sang qui fait qu'on pense plus. Donc, quand, quand vous voyez les enfants qui font vraiment ça et qui se grattent, vous voyez, on, souvent, hein, on, on, on se gratte la tête comme si on avait trouvé la réponse en se grattant. En fait, c'est parce que c'est un mécanisme biologique qui fonctionne très bien. Voilà. Ça, le Donc, c'est le cerveau. Que, ici, en tant que sexothérapeute, je prépare les cerveaux sexuels cognitifs. Qui va, mettre des, euh, qui, qui va structurer la pensée. Alors, euh, pour reprendre les recherches de Catherine Solano, parce que ça c'est vraiment, euh, et c'est un livre que vraiment, je, 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 je conseille à beaucoup de monde, parce que c'est une très, très belle manière de comprendre de manière très belle euh, la recherche d'une harmonie euh, au niveau de la vie sexuelle. Euh, donc pour la reprendre, on a besoin encore de parler du cerveau sexuel émotionnel, celui qui se trouve un peu plus au milieu, on va dire, donc le cerveau limbique. Et celui-là, en fait, depuis notre naissance, mais déjà unitéro, il, il ne cesse de nous raconter un de nos besoins fondamentaux, c'est celui d'être aimé et d'aimer. Moi, je dis toujours, celui-là, il, sus, il, 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 il susurre depuis le petit, j'ai besoin d'aimer, j'ai besoin d'être aimé. Et on voit très bien les expériences atroces qu'il y a eu avec des nourrissons qui ont été juste euh, euh, nourris, euh, euh, vêtus, mais qui n'ont pas eu de lien avec une personne. Et bien ils se sont laissés mourir, voilà. Ou ils sont, ils ont eu des troubles en tout genre. Donc c'est aussi le travail psychique de l'enfant que de devoir faire avec un donné de départ qu'il n'a pas choisi. Ben oui, moi si euh, je n'ai en Afrique, je ne n'ai pas, je ne sais pas moi, en Alaska par exemple. Euh, C'est ce qu'il fera avec ce qu'il n'a pas choisi qui va s'avérer essentiel. Qu'est-ce que je fais de ce que j'ai pas choisi J'ai pas choisi ma mère, j'ai pas choisi mon père. Qu'est-ce que je vais en faire de tout ça Concernant ce dernier point, il est à relever qu'aujourd'hui, dans les universités et le pouvoir politique, il est, bon, il est bon ton de parler de manière totalement erronée de création identitaire. Donc je me crée. Bon, ça c'est plus pour les grands, mais enfin même les tout petits. L'autodétermination, le principe d'autodétermination qui n'arrête pas d'être euh, euh, extrêmement présent dans tout le fameux guide. Voilà, le principe d'autodétermination. Donc je suis qui je décide d'être sans être attentif à simplement déjà ce sexe. Ben, qui m'est donnée au départ. Quoi. Après, on peut avoir évidemment plein de difficultés hein, par rapport à l'acceptation d'être une fille, un garçon. C'est une autre histoire. Aujourd'hui, tout doit aller dans le sens de valoriser le développement de l'individu. Il y a de moins en moins d'instances capables d'encore s'opposer à ce qui est devenu la valeur suprême, c'est-à-dire le ressenti individuel. Quand dans mon cabinet arrivent des patients, je, je, je ne le sens plus. Je, je ressens plus que je l'aime. Ben, je dis, écoutez, euh, oui, de, vous n'êtes pas le premier à qui ça arrive, c'est pas grave. Je leur dis tout de suite, attendez, mais on va, on va, on, on va apprendre à le réaimer, celui-là. Il en faut que ça marche. Donc, j'ai plus de sentiments. Ah bon, ils sont partis ou ils sont partis. Enfin, vous voyez, c'est, n'est pas possible de fonder une société juste sur du ressenti et des émotions et des sentiments. Ben, alors maintenant, c'est le ressenti individuel. À l'université, maintenant, j'entendais euh, une de mes amies euh, médecins qui expliquait euh, qu'un jeune a été dire au secrétariat qu'il ne sentait pas le professeur qui voulait pas être, être interrogé par lui. Bon, ok. Alors, évidemment, s'il l'a abusé sexuellement, je peux comprendre. Vous voyez, ça, c'est quelque chose. C'est pas du ressenti. Là, il y a un vrai abus et c'est très grave. Et le monsieur doit aller en prison. Mais si c'était pas ça, c'était pas ça. Alors, euh, il est donc très important de comprendre que ce qui va être dit au sujet du corps sexué, puisqu'on a tous un corps sexué, va être de la plus grande importance. Freud avait déjà dit à quel point l'enfant n'a pas à avoir accès au sexuel. Il est sexué, fille ou garçon, mais il n'a pas à être sexualisé, je répète. C'est-à-dire emmené par des adultes à avoir une réflexion sur la génitalité, la jouissance, l'identité sexuelle. Il y a un an, j'avais fait une conférence et à, dans, lors des questions-réponses, le papa m'avait dit euh, qu'il avait expliqué à sa fille de 8 ans euh, que quand ils avaient des relations sexuelles, lui et sa femme, ça leur faisait beaucoup de bien. Et il me dit, je, je suis un peu embarrassée parce qu'elle voudrait venir avec nous. On ne parle pas de sa vie sexuelle à nos propres enfants. C'est ce qu'on appelle un tabou. Au fait, quand il m'a posé la question, j'étais tellement étonnée que j'ai mis du temps à essayer d'être de, de, délicate dans ma réponse. C'était vraiment difficile parce que ça m'a paru tellement étonnant, en fait. Il est donc très important, donc ça je vous ai dit. Alors, comme dit Maurice Berger, il s'agirait alors si on parle de tout ça, oh, quand je fais l'amour avec, avec, avec ton papa, c'est trop gay, par exemple ça. Eh bien, il s'agirait en fait euh, d'éventuels traumatismes psychiques pour l'enfant. C'est effractant c'est ce que propose le nouveau guide voilà qui fait euh, en fait un travail de séduction auprès des enfants alors, de développement biologique de l'adolescent. Bon, ça, vous connaissez bien, on se souvient tous d'un point de vue biologique, la puberté se définit comme étant l'acquisition de la fonctionnalité de l'appareil génital. Bon, je passe, vous savez bien ce qui se passe chez les ados, ils bougent, ils changent, ils grandissent. Développement psychologique de l'adolescent. La puberté n'est pas seulement un phénomène physique, mais bien un processus de développement et de maturation psychologique qui implique des remaniements psychiques qui permettent à l'individu de devenir davantage un sujet, quand cette étape se déroule suffisamment bien. A l'inverse, la puberté et plus largement l'adolescence, hein, la puberté étant vraiment le moment de, de, des grands changements, puis l'adolescence, elle traîne un peu aujourd'hui dans nos sociétés, est une période à risque psychique important. Et cette partie de l'existence est majeure dans l'apparition de pathologies psychiatriques. Donc il faut être vraiment attentif euh, quand on a des enfants qui sont dans l'adolescence. Chaque adulte, normalement, se souvient à quel point cette période... De vie est fondatrice de sa personnalité, de son orientation sexuelle, de la découverte de son corps et aussi des plaisirs génitaux, de la nécessaire séparation avec les figures parentales. Alors, comme le corps, le cerveau se modifie et l'adolescent doit intégrer ses cognitions et ses nouvelles émotions. Sa grille de lecture du monde est obligée de changer, il doit se réadapter et il le fait plus ou moins bien. Il va falloir intégrer l'attirance pour l'autre, le désir sexuel, les sentiments amoureux. Et donc nous revoilà hein, quand on parle euh, de tout ça, du pulsionnel, de l'émotionnel et alors du cognitif, c'est-à-dire le cœur, le corps et le cerveau. C'est des bons outils pour quand on parle à nos enfants de chaque fois oser dire on est complexe et c'est pas parce que tout à coup j'ai euh, je me sens attiré par quelqu'un que ça va être le grand amour. Non. Euh, donc, l'adolescent va, va avoir besoin d'autres modèles de pensée que les parents, et souvent, il, il va y avoir un sentiment un peu de solitude. Les parents qui l'avaient idéalisé, euh, même si on a des mamans parfois extraordinaires, hein, euh, commencent à être vus avec des lunettes simplement rationnelles, en fait. Hein, je veux dire, euh, même que ma maman, c'était la plus jolie, la plus intelligente, la plus merveilleuse, on se dit ben oui, mais c'est quand même une maman humaine en fait. voilà il y a souvent une prise de distance nécessaire voilà c'est normal euh, c'est tout à fait normal euh, et c'est pour ça qu'à ce moment-là les amis ont une importance tellement importante euh, les jeunes vont s'influencer mutuellement et vont chercher des modèles en dehors de leur papa et de leur maman tout ce qui les influence contribue à forger leur propre éthique de vie et donc leur éthique sexuelle. Et l'éthique sexuelle, moi j'aime bien cette expression, ça vient de Catherine Solano, c'est vraiment la colonne vertébrale morale qu'il va se constituer pour poser des actes éclairés. Donc c'est important de parler de tout ça et de ne pas subir son pulsionnel, c'est-à-dire de, 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 de penser ce qui arrive dans notre corps. En tant que parent, ben, normalement, il est bon, moi je trouve, d'essayer de mettre des balises à cet âge-là, des balises, peut-être de les influencer vers tel ou tel groupe. D'être très attentif à ce qui se passe à l'école, de, de vraiment se dire Mais tiens, est-ce qu'il continue quand même à avoir un dialogue avec moi Ou plus tout à coup il se renferme. Alors par ailleurs, souvent l'adolescent va ressentir une plus grande difficulté quand même de parler, mais normalement, si, si la, la confiance reste là, il va quand même revenir de temps en temps. C'est quand il ne vient plus jamais que ça devient grave. Euh, mais. C'est vraiment important d'accepter que la distance n'est plus la même que quand ils sont petits. Pourquoi Parce que c'est justement de manière inconsciente le, 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 le respect de l'interdit, de l'inceste, qui se met en, en marche, Donc petit à petit. Avant, on était sur les genoux de sa maman, de son papa, on se donnait des, des, des bisous dans tous les sens. Puis à l'adolescence, s'ils font comme ça, c'est bon signe et on laisse. D'ailleurs, s'ils ne font pas comme ça, on fait un peu soi-même comme ça, on les met un peu à distance. Voilà. Alors, bon, c'est toujours, on, on essaie d'être chacun avec un peu son histoire. Hein. Il y a des familles plus tactiles que d'autres. Hein. Ce n'est pas parce qu'on est tactile que ce n'est pas très bien, d'accord Voilà. Euh, mais c'est vraiment pour préserver une saine pudeur entre l'adolescent euh, et les parents. C'est normal. Ça fait partie du développement. Donc le jeune a besoin petit à petit de liberté et de respect pour, pour, pour trouver ça, pour construire sa propre voie. Euh, ces repères, souvent, parce que l'enfant, l'adolescent a besoin d'énormément de repères. D'énormément de repères. Et Beaucoup de parents sont terrorisés, arrivent dans mon cabinet, oh, il m'a dit ceci, qu'on était trop ceci et trop cela. Je dis, c'est très bien, continuez, vous êtes une bonne maman. Et là, je leur dis, surtout n'hésitez pas à dire, oui, oui, bien entendu, je suis là pire de Namur, je suis la maman la plus stricte de Namur, je le sais, ou de, je ne sais pas, d'où vous habitez, voilà, donc vraiment c'est un cadeau que vous faites de, de, de canaliser euh, le mieux que vous pouvez, par contre les repères, il n'y a rien à faire, doivent être expliqués à ce stade là expliqués plutôt que simplement interdits, c'est pour ça que ça prend beaucoup de temps les ados, on passer des heures, des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. Bon, je prends un, un, un exemple bateau, mais c'est un des pires. Euh, donc, prenons l'exemple euh, de la pornographie, qui est quand même un véritable fléau, si vous n'avez pas encore compris. Euh, je, je suis terriblement fâchée là-dessus et je réfléchis à voir comment on va essayer de, de faire bouger ça, parce que c'est une honte. Et on est quand même de plus en plus à le dire, donc ça va, ça va être plus facile. Alors, bon, voyez-vous... Euh, Voyez-vous même hein, quelle est la manière la plus adéquate pour aider un jeune à grandir. Je t'interdis de regarder la pornographie avant 18 ans, c'est mal. Soit vous avez cette technique-là. Soit, je vous le dis, hein, je te souhaite d'avoir une première expérience amoureuse et sexuelle réussie, ou te marier, ou je ne sais pas, hein, parce que c'est important pour moi que tu sois heureux. Or, la pornographie n'est pas en ce domaine. Au contraire, en plus, elle consiste en l'utilisation marchande du corps de l'autre, ce qui revient à le considérer comme un objet, à le déshumaniser. En regardant du porno, on devient donc consommateur d'humains, ce qui est une posture qui nous abaisse, blablabla, bla, bla, et on continue, etc. Voilà. Mais ça, souvent, quand je suis dans les classes, euh, et que je demande un peu aux jeunes euh, qui regardent du porno. Disons, dans une classe de deuxième humanité, on va dire, je sais pas moi, sur dix, euh, on va dire qu'il y en a six ou sept qui en regardent. Alors je, je dis aux autres, euh, tiens, et pourquoi tu n'en regardes pas hein, Parce que je pose. La... Mais mon papa m'en a parlé. Hein, et qu'est-ce qu'il t'a dit ben, Il a dit un peu ce genre de choses-là. Et ben, je dis, tu lui mettras une médaille de ma part tantôt. Voilà. Donc en fait, les parents n'osent pas, parce qu'ils ont peur d'être intrusifs. Ben non, il faut dire les choses, bon Dieu. Alors, le jeune doit à la fois se sentir respecté. Ah oui, jamais poser, jamais non seulement parler en tant que parent ou grand-parent de sa propre sexualité. C'est tabou. Et on ne va jamais demander des choses. Donc on ne dit pas Dis, tu regardé quand du porno Et quoi Tu t'es touché On ne fait pas ça. On dit des choses. Alors je vais te dire que j'ai entendu que beaucoup d'enfants euh, regardaient du porno. Je, je, voilà, euh, je vais t'expliquer pourquoi. Vous voyez, on, 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 on doit garder cette barrière fondamentale d'intimité, d'accord Parce qu'alors il y a des gens qui du coup euh, mélangent tout. Ils disent il faut tout dire, pas enfin, du tout. Voilà. Alors, euh, donc le, le jeune, comme je l'ai dit, doit à la fois se sentir respecté, et responsabilisé petit à petit, son job. Est d'apprendre et d'expérimenter qu'en trouvant une harmonie intérieure, en accordant ses émotions, là au milieu, ses pulsions, là derrière, et ses cognitions, il va y avoir un sentiment de joie et de paix. C'est ça, en fait. C'est quand les trois sont connectés, on est dans une espèce de joie. Voilà, ça, c'est le signe que ça va bien. C'est le signe que ça va bien. La joie et la paix. Alors, vers 25 ans, la maturation du cerveau s'achève. Ça, c'est tard. Hein? Ça, c'est très important de leur dire. Alors, je m'excuse, j'utilise des vilains mots, mais moi, souvent, je vous êtes des petits cons et ce n'est pas de votre faute, surtout aux garçons. <laughs> mais ils sont contents quand je leur explique ça, parce que ce n'est pas facile. Hein? On leur dit toujours ma femme, sois grand Déjà, à 4 ans, on leur dit ça. Je dis, je dis aux parents d'enfants de 4 ans j'ai arrêté de dire qu'il est grand. C'est un microbe, il est tout petit. Et à 14 ans, il n'est pas grand du tout. Il est tout à fait idiot. Il vient de grandir. Il est épuisé par sa croissance. Il est obsédé par sa testostérone. Je parle surtout des garçons parce qu'ils sont spécialement bêtes à cet âge-là. Les filles, c'est moins, moins spectaculaire. Désolée pour les jeunes hommes. Mais, mais, mais nous, on les aime comme ça, les hommes. Hein, une fois qu'ils ont mûri. Bon. Mais donc, c'est très important de comprendre que le cerveau chez les êtres humains... Termine sa croissance à 25 ans. Donc, tout ce qu'on a pu faire comme nettoyage par rapport à des traumatismes ou quoi, avant 25 ans, c'est gagné. Voilà, parce que c'est beaucoup plus malléable encore. Bon. Euh... Donc, je redis, il est très important de comprendre que les adolescents, jusqu'à 25 <laughs> ans, sont incapables neurologiquement d'avoir la maturité d'un adulte. On fait avec. Voilà. Alors pourquoi protéger nos enfants et nos adolescents aujourd'hui Pourquoi est-ce qu'on doit leur protéger particulièrement aujourd'hui bon, les, les enfants, ils ont toujours eu besoin d'être protégés. Bah, surtout, euh, de tout temps, c'était surtout quand ils quittaient la maison ou quand ils allaient sur le chemin. Hein. D'ailleurs, on leur racontait des petites histoires pour qu'ils soient attentifs, hein, comme le, le petit chaperon rouge, euh, les sept chevreaux. Voilà. On leur racontait des histoires. En fait, moi, je me souviens, on me racontait des histoires. On, a, on comprenait très, très bien. On comprenait pas tout, mais on comprenait qu'il y avait des gens pas gentils. Aujourd'hui, les dangers sont, pourrait-on dire, presque partout. Pourquoi Parce que partout, il y a les écrans. Partout. Je, je, hier, en relisant un peu euh, et en, 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 en retravaillant un peu mon machin, là, je, je me suis souvenu d'un truc que j'ai vécu. Il y a un an, j'avais jeté mon GSM sans le vrai exprès dans le bain, donc il était cassé. Donc je vais chercher un nouveau GSM. Donc je vais très très rarement dans les magasins, parce que voilà, je ne m'amuse pas du tout. Et donc je suis au Proximus, vous voyez, à la boutique. Et donc, il y avait le monsieur qui était à son, son petit guichet. Et là derrière, il y avait un énorme écran, pas aussi grand que le tableau blanc, hein, mais quand même très grand. Et, et donc je regarde. Et je vois un, 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 un clip vidéo qui simulait une fellation. Donc moi, je suis sexologue, ça va, je n'ai pas été effractée. enfin D'abord, je, je n'avais pas envie de voir ça, c'était le matin, enfin, même le soir. Je n'avais pas envie de voir ça, <laughs> j'aime pas voir ça. Ça ne m'intéresse pas, moi, de voir ça. J'ai euh, beau être sexologue, ça ne m'intéresse pas du tout de voir ces trucs, je trouve ça. Je me suis dit, mais j'aurais pu venir avec... Euh, je ne sais pas si j'étais grand-mère, par exemple, avec un de mes petits enfants. Vous vous rendez compte? Au magasin, Proximus. Partout. Donc on est au à l'Aldi, ou euh, au Lidl, ou au Deleuze, on entend des gens qui parlent. Écoutez un peu ce qu'on qu bazarde à la radio. Écoutez. Et les enfants entendent. Voilà. Et la télé est allumée. Regardez les publicités. Alors, on va au cinéma voir un Walt Disney. Bon, disons, il y a 10 ans, parce que maintenant, c'est franchement, euh, ça laisse à désirer les Walt Disney. Mais enfin, un bon Walt Disney, euh, d'avant, on euh, va dire, 10-15 ans. Eh bien, on va voir une pub pour les magnums, hyper sexualisée, ou pour Tahiti Douche, ou la voiture. Tout, tout, tout. Mais déjà, il y a 20 ans, quand j'ai fait Commu. Non, pas 20 ans, je beaucoup plus vieille. A... J'avais 25 ans, donc il y a 30 ans, 30 ans quand j'ai fait Commu. Déjà, on voyait à l'époque, il y a 30 ans, que toutes les pupes étaient hypersexualisées. C'est un peu subliminal. Enfin, c'est partout. Quoi. Bon, donc c'est quand même difficile. Euh, alors, non seulement il y a les écrans, mais il y a aussi aujourd'hui l'entrisme des mouvements militants au sein des écoles. Ça, c'est quand même très, très grave. Bon. Alors, il y a une présence accrue de dictates idéologiques. Et donc, des comportements asociaux. Alors, je, 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 vais, je, je fais de manière caricaturale. Alors pour vous faire rire, rire j'ai lu ça hier à ma fille qui a euh, 19 ans. Je lui ai c'est vrai ou pas Parce que Vous voyez, parfois, on se dit, mais non, c'est tellement exagéré. On ben, va dire, bah oui, c'est ça. Le plaisir avant le travail. C'est un diktat idéologique. Moi, je vois plein de jeunes dans mon cabinet qui, en fait, n'ont pas tellement envie de travailler. Mais alors, ils font des trucs sur Internet. Il y en a un maintenant C'est assez intéressant, je devrais m'y mettre Qu'est-ce qu'il m'a raconté Ah oui, il achète pour un demi-cent, euh, ou un demi, euh, je ne sais pas quoi, euh, des, 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 des gratuités pour les tirages au sort, on va dire, pour les chevaux, et il fait ça partout, donc il a un moteur de recherche, et donc il gagne plus ou moins 500 euros par mois, en faisant juste ça. Je ne vous dis pas la joie qu'on doit avoir de faire ce genre de travail. Ça doit être épanouissant. D'ailleurs, je lui ai dit, je lui ai dit, franchement, tu ferais bien de faire autre chose, c'est un super type, quoi. Bon. Voilà. Donc, donc, en fait, le plaisir avant le travail. Donc, il me dit, oui, mais c'est super, C'est que pendant que mon ordinateur tourne, je peux ne rien faire. <laughs> voilà. Oui, tout, sans vous parler de toutes les monnaies, là, comment est-ce qu'ils appellent ça, les bitcoins, tout c est, c est ça il, il, Alors, j'ai toutes les femmes qui sont énervées, et monsieur joue avec ça. Oui, mais j'ai déjà gagné. Mais ben après... Euh je dis, tiens, c'est marrant parce que tout le monde gagne. Donc il y a un moment donné quelqu'un qui doit bien perdre hein, dans cette affaire. Bon, sans rien faire. Je gagne sans rien faire. Bon, donc ça c'est un diktat. Le plaisir avant le travail. Ou plutôt le plaisir, quoi. Et l'argent. Voilà, c'est encore mieux. Parce que le travail, c'est quand même un peu vulgaire. La performance sexuelle avant le relationnel. Mais le nombre d'affaires dans mon cabinet où... Euh... Oui, mais bon, on était en discothèque, on s'est embrassé et puis euh, hop, je vous passe les détails pour pas être vulgaire. Oui, mais en fait, euh, on n'était pas vraiment en couple, quoi. D'ailleurs, on n'est toujours pas en couple, j'hésite, quoi. Ça fait six mois qu'on couche, j'hésite, je ne sais pas. Je dis, mais tu fais tout à l'envers, toi. Je dis tout le temps ça, parce qu'ils font tout le temps. Mais les pauvres, leur... ce n'est pas de leur faute, hein. ils ont appris ça. Hein. Donc c'est ça qu'il faut se battre. Donc la performance sexuelle avant le relationnel, euh, évidemment, c'est facile. Les droits avant les... On va le voir. Ma liberté n'a pas de limite. Si quelqu'un me met une liberté à ma limite, oh là là, il est vraiment mauvais. Hein. Bon, on pourrait continuer encore un peu, mais là, je vous ai dit les gros. Le tout dans une société comme je vous l'ai déjà dit qui est pornographisée. Alors, c'est très complexe. Hein. Il faut être très subtil pour comprendre, hein, parce que à la fois c'est pornographisé, donc c'est à dire que on véhicule la culture du viol, puisque dans les pornos, à plus de 80 des, du visionnage des pornos, c'est des visionnages terriblement agressifs, violents, brutaux, etc. Hein, ça c'est le l'industrie. Et de l'autre côté, il y a le consentement. Alors le consentement, ça peut être rétracté à chaque seconde. Après, moi, on m'explique dans mon cabinet, ben oui, j'étais toute nue à 14 ans, par exemple, avec un garçon, mais j'avais bien dit que je voulais rien faire. Moi, j'ai dit toujours, là, tu te mets quand même en risque, quand même, d'être toute nue à côté d'un garçon à 14 ans. Bon, voilà. C'est et alors maintenant, parfois, ils veulent même euh, s'envoyer des SMS pour contractualiser la relation sexuelle. Voilà, je vois des têtes qui me disent oui, oui. Et je vois bien que ce ne sont pas des vieux qui me disent ça, donc je vois bien que c'est ça. Bon, donc il y a une espèce de grand écart, comme ça. Je ne sais pas comment ils s'en sortent, ça doit être très compliqué. D'ailleurs, on sait aujourd'hui, en tant que sexothérapeute, qu'il n'y a jamais eu autant de jeunes couples qui ne faisaient plus l'amour. Un les filles, souvent, ont pris la pilule depuis qu'elles ont 12 ans, donc elles n'ont pas eu le, les mouvements hormonaux grâce à la testostérone, puisque c'était bloqué, et les garçons, ils sont biberonnés au porno. Donc, eux, voir une petite jeune fille, je ne sais pas, moins de 20 ans, euh, euh, qui n'est pas comme dans les pornos, euh, avec beaucoup d'agressivité, ça les, ça les fait plus bander. Je m'excuse, mais enfin, bon, comme ça, vous, voilà, ça va. Donc, c'est grave, ce qui se passe. C'est grave, parce que quand s'ils ne ils font plus l'amour, eh il n'y a plus d'enfants. Voilà, c'est quand même embêtant. Donc, société qui, donc, ne protège pas sa jeunesse en n'interdisant pas drastiquement le visionnage de porno auprès des mineurs. On sait que le porno, c'est un abus sexuel quand on visionne ça. C'est un abus, d'accord Donc, il y a des abus sexuels, euh, visuels, auditifs et puis tactiles, voilà. Alors. Donc, cette société-là, ben, c'est via les écrans et, comme je l'ai dit, dans les écoles. Alors, je cite rapidement Maurice Berger, que, comme vous constatez, j'aime bien lire, euh, qui écrit que, donc, les troubles étaient nombreux euh, après des séances d'éducation à la sexualité en France. C'est exactement la même chose. Des refus de retourner à l'école, donc en primaire. Des refus de retourner à l'école, des refus de grandir. Donc, excusez-moi, il, il a lu ce texte devant le Conseil supérieur des programmes de l'éducation nationale, le 30 novembre 2023. Moi-même, j'ai été invité au Sénat en, en bon, début d'année, ici, pour aussi essayer de, de montrer à quel point tous ces programmes sont dangereux pour les enfants. Rien n'y a fait, c'est passé. C'est normal puisque c'est l'OMS et que c'est l'agenda de 2030. Dans tous les pays sous l'égide de l'OMS, ça doit passer. Donc ça passe. Donc il dit... Ces troubles étaient nombreux. Des refus de retourner à l'école, des refus de grandir dit explicitement, des troubles du sommeil sous forme d'insomnie, la nuit ça m'empêche de dormir, ou de cauchemars, malaise. Ma fille s'est sentie très mal à l'école, elle s'est efforcée d'être sourde et aveugle et ne veut pas se souvenir de ce qu'elle a entendu. Évanouissement, reviviscence des images vues en classe, état de sidération qu'on voit bien sûr certains. Euh, film montrant les élèves pendant ses cours et que l'animatrice ne remarque même pas. Sentiment d'irable, de dégoût par rapport à la sexualité ou à l'accouchement. A euh, minima, un sentiment de gêne, donc ça c'est le moins grave, de gêne et de ras bol chez les ados, ça suffit, ou chez les enfants parce que les c'est encore petit, ça suffit, c'est intrusif, c'est intime tout ça, disent-ils. La honte, par exemple, aussi de devoir mettre du lubrifiant sur un objet représentant un pénis, ça, c'est monnaie courante hein, dans, nos, dans nos écoles à nous ici. Hein. Euh, et du côté des garçons, comme il dit, on observait surtout beaucoup d'excitation. C'est-à-dire que le pulsionnel sexuel, au lieu d'être canalisé, est débridé. Voilà. Et encore, je pense... Oui, j'ai encore vu hier euh, une maman qui m'écrivait, euh, mon petit garçon est revenu... Terriblement choquée parce que les enfants de sixième primaire ont eu une animation, donc ça devait être il y a deux, trois jours, je ne sais pas exactement, euh, et que son petit garçon qui est en quatrième entendait tous les mots euh, fellation, euh, sodomie, etc., dans la cour de récré. Sixième primaire. Il n'y a pas d'autre chose à faire, quoi. C'est quand même dingue. Hein Moi, je trouve ça une honte. J'ai repris un texte de Maurice Berger. Qui donc fait partie du REPA. Moi, je fais partie maintenant aussi de ce mouvement. Donc, c'est-à-dire le réseau de professionnels pour la protection de l'enfance et de l'adolescence. J'ai pris ça parce que parfois, quand on, 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 on prend, parce que je pourrais vous dire exactement la même chose de ce que je rencontre dans mon cabinet. Mais comme Maurice Berger, c'est un homme qui a écrit, une, je sais pas moi, une dizaine de livres et qui est très, très, voilà, pour vous dire, ce n'est pas. De la tarte, cette affaire. Alors, les enfants ont à être protégés, car non seulement ils sont physiquement trop petits pour se protéger tout seuls, mais surtout ils n'en ont pas la capacité psychique. Il faut donc protéger nos enfants, non seulement en les éduquant, mais en les surveillant. Un enfant, ça surveille. Je me souviens, il n'y a, a pas très longtemps, dans, euh, des, des chefs scouts euh, m'avaient expliqué qu'il y avait eu des jeux de touche pipi euh, dans le dortoir des petits garçons. Euh, et je leur ai dit mais comment ça vous laissez parfois les enfants seuls On ne laisse pas des enfants seuls le soir quand ils sont un peu tout nus et un peu agités avec leur lit. On surveille parce qu'il suffit de un qui a vu des images pornographiques ou je ne sais pas quoi, ça ne va pas. Donc on surveille nos enfants, on ne devient pas complètement euh, euh, paranoïaque, mais on surveille. On surveille les enfants, ça se surveille. Voilà. Et ça je pourrais vous en raconter des dizaines d'histoires hein, avec euh, les enfants qu'on ne surveille pas. Alors en les éduquant, quand on dit aux enfants non, tu ne peux pas accepter des bonbons de gens que tu ne connais pas, ou tu ne peux pas monter dans la voiture de quelqu'un que tu ne connais pas, c'est bien que le petit enfant, ou même l'adolescent, n'a pas la capacité psychique de discerner entre la personne gentille et la personne qui simule, simule la gentillesse. Il ne sait pas. Il ne sait pas, en fait. Donc, dire à des mineurs, écoutez bien parce que ça c'est parfois un peu compliqué à comprendre, euh, de lui dire, donc beaucoup de gens maintenant disent à des enfants tu dois dire non, je ne suis pas d'accord. En fait, c'est super dangereux de dire ça. D'accord Il faut leur dire tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Ma maman m'a dit que je ne peux pas. Ce n'est pas du tout la même chose. Parce que ce n'est pas lui qui doit être d'accord ou pas d'accord. Il ne sait pas discerner. C'est toujours la même chose. Moi, j'entends bien dans mon cabinet, euh, ils viennent euh, les abuseurs sexuels avec des, c'est beaucoup plus drôle que ça, des petits crayons de couleur ravissants, « Viens, on va jouer au, au, au crayon. Puis le crayon se retrouve dans le pet, quoi. Vous voyez Donc l'enfant il dit, c'est notre secret. C'est fantastique, on a un secret. Tu ne le dis à personne, d'accord Donc on, on ne peut jamais dire à un enfant s'il y a quelque chose de bizarre. Tu dois dire que tu n'es pas d'accord. C'est moi qui suis pas d'accord. C'est pas lui. Lui n'a pas la capacité psychique. Euh, parce qu'en fait, très souvent, il aura envie d'accepter le bonbon. Il aura envie de jouer avec les beaux crayons de couleur. Et si je peux mettre mon doigt là, je te donnerai un bonbon ou je ne sais pas quoi moi. Hein, bon, euh, il aura envie. Pourquoi Parce qu'en fait, il aura envie d'être aimé. Il aura envie d'être connu. Il a dit c'est un câlin spécial. Ah oui, et si vous lui dites que c'est lui qui doit dire qu'il n'est pas d'accord, la culpabilité, elle retombe sur qui Sur lui. Donc non, on ne peut pas, que tu sois d'accord ou pas, non. Eh bien ça, de nouveau, dans le fameux objet dont je n'ai pas envie de parler, mais eh c'est écrit. Avec qui je veux, quand je veux. Vous vous rendez compte Mais c'est effrayant de dire ça à un enfant. Euh, et, et donc c'est le drame de la quasi-totalité des abus sexuels que je rencontre dans mon cabinet. Les patients me disent, j'ai accepté. Peut-être que j'aimais ça. Même certaines ont du plaisir sexuel parfois. Hein. Or, un enfant, je le répète, n'a pas la capacité, ni psychique ni juridique, de consentir. Les responsabiliser risque d'une seule chose, c'est de les enfermer dans un mutisme et de les culpabiliser. Donc, c'est notre travail à nous, les adultes, de protéger nos enfants. Nous devons donc être vigilants aujourd'hui plus qu'en d'autres temps. Et c'est pas être je sais pas quoi que d'être vigilant. C'est simplement protéger nos enfants parce qu'il y a beaucoup beaucoup de loups. Voilà. Le pulsionnel sexuel est moins canalisé qu'avant. On est dans une sexualité, une société où le tout permis a permis une explosion de ce, ce pulsionnel à cause de ce fameux interdit d'interdire. Donc éduquer et surveiller. Chez qui il va Qu'est-ce qu'il va faire est-ce que vous êtes là, madame, quand mon petit garçon de 8 ans vient chez vous Est-ce que vous êtes là ou bien vous êtes partie au restaurant avec votre mari Par exemple Ah ben oui, je comptais les laisser seule. »« Ah Ils ont 8 ans quand même Ou euh, dites, madame, euh, mon petit garçon vient chez vous, euh, est-ce que, est que parfois les écrans, c'est permis chez vous Ah oui, oui, il a son iPad dans sa chambre. Bon. Bof, quoi Donc je suis désolée, on demande. Enfin, c'est un peu triste, hein, mais c'est comme ça. Voilà. Ce qu'ils vont visionner. Moi, je, je, même de manière personnelle, il y a des trucs qui m'ont vraiment échappé. Quoi. Je me dis, mais comment est-ce que c'est possible quoi bon. Alors, bon, on n'est pas tout-puissant, les parents, mais on essaye vraiment pas tout-puissant. C'est important aussi de le savoir. Mais aujourd'hui, quand même, il faut faire attention. Alors, osons parler d'amour en famille. Alors, on a besoin d'audace, déjà. Audace de dire le réel, c'est-à-dire ce qu'on voit. Le biologique, les choses simples que tout le monde devrait savoir mais qu'on n'ose même plus penser. Je vous l'ai dit. Voilà. Les garçons sont des garçons. Les filles sont des filles. Pour faire un enfant, il est nécessaire d'avoir un spermatozoïde et un ovule. Je ne dis pas de dire ça aux enfants, mais je vous le dis à vous. C'est-à-dire une cellule qui vient d'un monsieur et une cellule qui vient d'une maman. Voilà. Des petites choses simples qu'on ne peut plus dire aujourd'hui. Alors pourquoi dire des choses tellement logique quoi en fait deviennent si difficiles il y a une offensive je vous l'ai déjà dit de la militance LGBTQA+ au cœur de la société passe mais surtout au cœur des écoles passe pas pour moi voilà dans les écoles primaires alors j'ai vu que dimanche 7 avril se donc il y a quelques il y a une semaine se déroulait à Bruxelles une conférence débat sur les vras et le thème c'était nos enfants face au lobby LGBTQ donc animé quand même par deux médecins, dont un pédopsychiatre. C'est quand même des gens qui ont un peu étudié, quoi. Hein un peu, hein, quand même. Dans l'invitation, il était écrit tout en respectant parfaitement, et ça je, 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 je souscris tout à fait, tout en, donc ça c'était l'invitation, tout en respectant parfaitement les choix, euh, orientation sexuelle et comportement privé des personnes en âge de majorité sexuelle. Hein, Ce n'est pas notre problème en fait. Hein. Nous sommes nombreux, parents et grands-parents, à être fortement préoccupés par l'intrusion de plus en plus forte de divers lobbies dans les écoles primaires, ayant pour effet de sexualiser les enfants à des âges de plus en plus précoces et de banaliser notamment le changement de sexe à l'âge de 10 ans et même parfois auprès d'enfants plus jeunes encore. Voilà, parler aux enfants euh, dès l'école primaire et de manière surtout collective voir leur montrer des photos, des vidéos, etc. Eh bien, en fait, je, je vais un peu C'est évidemment propice à avoir, à aboutir à des dégâts psychologiques durables. Euh, voilà. Nous le voyons également. Donc ça, je reprends. J'ai fini la citation. Nous le voyons également dans l'évolution des questions que nous travaillons dans les écoles. Parce que je l'ai pas dit. Donc, je suis directrice de la ligue francophone euh, de protection et d'aide au développement. Euh, donc des mineurs dans les dimensions de la vie relationnelle affective et sexuée donc dans ce cadre-là nous allons euh, euh, voilà parler de manière la plus adéquate possible euh, dans les écoles qu'est-ce que je vois moi ou les autres enfin bon il y a encore quelques semaines puisque bah, ici je vais partir trois jours parler de ça dans une école avec des rétos voilà donc euh, il, y a, il y a quelques semaines je rencontrais des jeunes qui me disaient que L'année dernière, en réto, vu l'ampleur des coming-out en tout genre, je suis non-binaire, je suis bisexuelle, je suis, voilà, agent, pansexuelle, etc. Parce que dans les réseaux sociaux, c'est partout, 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 partout. Hein Pour un peu être original, on doit être quelque chose de, de comme ça. Euh, eh bien, ils commençaient, les jeunes que j'avais, Enfin, qui m'ont raconté ça, à se sentir ridicule, exclu, s'ils osaient dire qu'ils étaient hétérosexuels cisgenres. Alors je vous explique ce que ça veut dire. Donc hétérosexuel, vous savez, cisgenre, Donc hétérosexuel, quand même, je vous le dis, c'est attiré par quelqu'un de l'autre sexe. Et euh, c'est ça j'utilise la, la langue, la novlangue, hein, d'accord Ce n'est pas mon vocabulaire. En adéquation avec leur genre assigné à la naissance, comme si le médecin assignait le sexe au petit enfant qui vient de naître. Même un enfant de 4 ans peut dire si c'est un petit garçon ou une petite fille. Alors, on sait qu'il y a quelquefois des problématiques euh, d'intersexe. C'est extrêmement rare. Il y a quelques cliniques spécialisées. Ça n'a rien à voir avec la problématique des enfants transgenres actuellement. Hein, parce qu'il y a le désir de tout mêler. C'est pas la même chose. On doit être très attentif, évidemment, à, à, des, à, des, à ce qu'on appelle des anomalies. Voilà. Ce n'est pas, pas du tout le même sujet. Même s'ils veulent nous dire que c'est le même sujet. Euh pour rappel, le fameux manuel qui est utilisé maintenant euh, par les, les animations qui vont dans les écoles, c'est un manuel qui se veut non hétéronormatif. Donc c'est écrit noir sur blanc. Donc c'est un manuel qui veut préconiser que tout type de sexualité euh, est équivalent, non hétéronormatif, avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, une prégnance euh, très grande au niveau de l'autodétermination. Donc dès tout petit, mais vous avez sûrement déjà lu ça puisque vous êtes ici, vous avez bien tout compris. D'ailleurs parfois je me dis, j'imagine que je ne vous apprends rien en fait à vous, mais enfin voilà, comme ça on, on, on se le redit. Euh, avec la sexualisation des enfants dès le plus jeune âge et euh, ben, l'intrusion quand même du porno qui n'est pas interdite. Il y a beaucoup plus d'autres cho choses. J'ai lu une fois le guide 1 et une autre fois le guide 2, donc j'ai beaucoup 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 travaillé là-dessus de manière bénévole pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Voilà. Et quand je vois que les plannings viennent de recevoir des centaines de milliers d'euros pour aller dans les écoles et que nous devons gratuitement, pas du tout soutenus par les politiques, euh, pour vous dire ce que je vous dis, c'est quand même étonnant dans une démocratie. Moi, je trouve ça étonnant. De, euh, alors, et par contre il y, y, y a cette gêne d'oser dire qui on est, moi, je, moi en tant que femme je, je suis attirée plutôt par les garçons donc presque gêne et d'un autre côté, ce que j'observe de plus en plus dans certaines écoles pas de la ville, les écoles des campagnes c'est une agressivité extrêmement puissante qui commence à monter face à tous les types de, de sexualité différentes, parce qu'une peur en fait, une peur donc c'est mal parti moi je pense que quand j'étais jeune, je me souviens euh, à l'université, j'avais ami deux amis qui avaient une orientation homosexuelle. Je me souviens, on, était, on avait beaucoup de pudeur, beaucoup de délicatesse, on était tout à fait respectueux, il n'y avait aucun problème. Je ne suis pas sûre que ça va continuer comme ça. Vraiment. Quand on me dit qu'on stigmatisait les gens, je ne comprends pas, parce que moi, je n'ai pas vécu du tout ça. Il euh, y a 30 ans, on était vraiment très respectueux par rapport au, 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 aux vies des gens. Il y avait aussi une, une, une intimité. Alors, parler, hein, oser parler. Donc, il faut être audacieux, parce qu'il faut oser dire des choses qu'on ne peut plus dire. Puisque un garçon, c'est une fille aujourd'hui. Ben il, il faut parler. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire prendre du temps. Moi, dans mon cabinet, je suis effrayée par le nombre de gens qui n'ont même plus le temps dans les couples... D'avoir une soirée ensemble. Après, ils me disent, mais on fait plus l'amour. Je dis, mais ben, quand est-ce que vous vous voyez À lundi, elle a sport, Mardi, j'ai sport, Mercredi, je vais voir mes copines. L'autre jour, et elle... vient. Puis, puis on va chez mon papa, bonne maman, je ne sais pas quoi. Je dis, mais ben, attendez, on va se calmer. Voilà. Donc, eux, ils n'ont même pas le temps de faire l'amour, c'est quand même embêtant. Bon, ici, avec les enfants, c'est juste prendre le temps de les écouter. S'asseoir et rien faire. On peut peler une patate, normalement, euh, ou je sais pas, ou faire des petites choses. Mais, mais pas travailler de manière intellectuelle, c'est-à-dire être disponible. Donc, pour moi, parler, ça veut dire prendre le temps, première chose, le temps d'écouter, en fait. C'est idiot, mais en fait, parler, c'est d'abord écouter. Le temps de s'asseoir, le temps de ne rien faire, le temps de ne rien faire pour penser, élaborer une pensée, et puis parler. Ce qui marche pas mal quand on a euh, un jeune ou quoi ou un petit enfant qui est un peu tracassé, c'est voilà, c'est chipoter à côté de lui, petit à petit, s'il sent qu'on a une disponibilité, il va venir. Dit à l'école l'autre jour, et puis il commence. On écoute, voilà. Et après, je vais vous donner des tout petits conseils pratiques pratiques. Parler en famille veut pas dire ne pas respecter la pudeur. Je crois que je vous l'ai dit assez. C'est une émotion, la pudeur naturelle chez l'être humain, et qui doit être cultivée. Parler de ces questions, en tout cas des questions intimes, se fait plutôt à deux, pas à trois. Moi, bon après, je vous dis ce que je crois, hein. peut-être. Je trouve que, que ce soit une maman avec son fils, une maman avec sa fille, ou un papa avec son fils ou sa fille, mais je trouve que le nombre deux, c'est le nombre de, de l'intimité. Et surtout, évidemment, l'importance de ne pas divulguer ce que nos enfants nous racontent. Vous Voyez, il nous raconte quelque chose de grave, et puis, euh, puis Mamie euh, qui vient à la maison manger de la tarte dit :« Alors, ça va mieux ?» Vous Voyez. Alors, on raconte plus rien, quoi. Bon, et surtout, mais ça, je l'ai déjà dit, je répète, ne pas parler jamais de sa propre sexualité. Alors, bon, là, j'ai un peu, euh, hop, parler d'amour. Hein, je vous ai, voilà, parler d'amour. Alors, moi j'avais mis, euh, ou nous avions mis ensemble avec un grand A. Euh, ben oui, parce que pour moi, l'amour, c'est quand même celui-là, c'est l'amour durable, quoi. C'est l'amour qui dure. S'il peut durer toute une vie, c'est quand même c'est quand même merveilleux. Et le nombre de jeunes qui me disent, euh, j'ai jamais vu de couple autour de moi qui durait. J'en ai une petite l'autre jour qui m'a dit ça. Ah non Non. Ni mes grands-parents, ni ma marraine, ni mes parents. J'y crois pas. Alors je lui dis... Je suis, écoute, moi, ça dure déjà depuis 30 ans. Je dis, tu vois, il y en a quand même, et puis j'en connais d'autres qui durent. Voilà, donc c'est triste, hein C'est triste, il y en a beaucoup qui... Moi, dans, dans mon cabinet, j'utilise toujours des fards comme ceci, et au milieu, je fais des... le génogramme. Eh bien, c'est très rare que les parents n'ont pas divorcé au-dessus. C'est rare. C'est très, très rare dans mon cabinet. Si bon, donc avec un grand A. Alors ça nécessite plein de choses, hein. ça nécessite beaucoup de patience, beaucoup de pardon, donc beaucoup de temps, beaucoup de plein de choses en fait. Hein. Alors moi j'avais envie de vous dire, c'est un peu, je sais pas pourquoi je me suis mise dans, dans ça, mais que Amour, je n'ai jamais eu une très bonne orthographe. J'aimerais bien qu'Amour soit avec un H devant, un grand H. Alors je vous explique. Quand on a un couple, est-ce que ça, vous pouvez raconter à vos enfants quand on a un couple A, comme le grand amour quand on l'écrit correctement, on s'appuie l'un sur l'autre. Vous voyez Là, disons que ça c'est madame et ça c'est monsieur. On s'appuie l'un sur l'autre. Ce sont un peu les, les couples, souvent un peu les jeunes couples, quoi. Euh, enfin, ou qui n'ont pas bien discerné. Donc euh, je m'appuie sur lui. Mais vous voyez le problème. Je m'appuie sur lui. Donc ça c'est la relation d'amour. Mais s'il va un peu plus loin, ou qu'il se redresse, je tombe. Et c'est fini, c'est fini. C'est les relations pansement. Alors que l'amour H, bon, on ne va pas mettre un H à amour, mais c'était pour vous raconter mon histoire. Voilà. Si on a un couple H, on est tous les deux plus ou moins, plus ou moins. Hein, on passe une vie à être plus ou moins droit, plus ou moins sage. On a traversé toutes nos affaires qu'on avait à traverser de notre petite enfance. Et vous voyez le lien ici. Hein, ça, c'est le lien d'amour. Mais on peut aller très, 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 très loin. Même de l'autre côté, il peut être vraiment... Vous voyez, il y a cette flexibilité. Il est comme un très bel élastique. Bon, il ne faut pas rester trop longtemps, hein, parce que sinon, ça, vous voyez l'élastique, ça claque. Donc, il faut faire comme ça. Mais alors, ce qu'il y a de trop beau, c'est que quand on fait l'amour, il est comme ça. Eh bien, on peut faire comme ça, comme ça, comme ça. Et donc, un, un couple H, ça veut dire on doit chacun, plus ou moins, essayer. Et donc, quand on, quand on a nos enfants ou nos petits-enfants qui, qui sont amoureux, bien demander... Tu as un couple A ou un couple H Alors c'est un peu violent comme ça, mais enfin vous serez plus subtil. C'est pour que vous vous souveniez. Alors j'aime bien aussi le H. Donc, oui c'est ça, c'est l'idée que l'autre n'est pas ma béquille. Donc le couple A c'est un peu l'autre est ma béquille. On peut même être un A comme ça, vous voyez des A comme ça. À un moment donné celui-là, il, il risque de tomber, enfin ça ne marche pas. Donc l'autre, on n'a pas à s'utiliser en fait. On ne réifie pas l'autre. Alors j'aime bien le H aussi parce que je pense que c'est très important, H comme humour. Moi, je vois bien dans mon cabinet, mais partout aussi dans la vie, si on n'a pas un peu d'humour, c'est-à-dire être capable de rire de soi, de ne pas trop se prendre au sérieux quand même. C'est-à-dire que humour, ça va bien aussi avec humus, la terre, vous voyez hein, L'humus, la terre, l'humilité. Avoir un peu d'humilité dans le couple, hein, quand on parle d'amour, il faut dire un peu. Ah oui, parfois l'autre il débloque un petit queue, mais c'est pas grave, ou il dit quelque chose, bah on va, on va, on va passer au-dessus. On n'est pas à la psycho rigide. Moi j'ai des patientes, vous, vous rendez compte, il m'a dit ça, jamais je n'accepterai. Bon, je dis, qu'est-ce qu'il vous a dit Alors je ne vous dis pas ce qu'il a dit, parce que c'est pas, pas poli. Je dis, bon, écoutez, il devait être un peu énervé. Euh, euh, pff, vous pouvez peut-être lui pardonner. Jamais Je dis, ah bon, jamais. Euh. Vous voyez, ou bien, euh, il, ah oui, ça c'est. Il m'a il, il pris comme ça, vous voyez Je dis, mais qu'est-ce que vous avez fait je l'ai poursuivi dans son bureau, je voulais qu'il me parle, je voulais qu'il me parle, je voulais qu'il me parle, j'étais là, et puis il m'a pris comme ça. Bah, je dis mais c'est déjà bien qu'il vous ait juste pris comme ça, en fait. C'est pas mal. Vous voyez Et alors, avec toutes des, des réactions épidermiques, en se disant euh, bon, mais vous, qu'est-ce que vous avez fait Chacun, et l'homme aussi, hein, chacun qui se remet de manière humble, un peu, à sa juste place. On est des braves humains. Quand on voit face à l'éternité, on n'est quand même pas grand-chose. D'ailleurs, je, je, je me le rappelle à moi d'abord, mais je le dis souvent à mes patients, il y a deux choses dont on est sûr quand on naît, est, c'est qu'on est sexué et qu'on va mourir. C'est déjà là, une fois qu'on mûrit un peu ça, on se détend. Alors, en famille, c'est quoi une famille On sait aujourd'hui que c'est une des valeurs les plus essentielles en fait. Tout le monde parle de la famille, tout le monde veut sa famille, tout le monde a besoin de sa famille. Bon, mais pourquoi alors, comme je vous le disais dans mon cabinet, la grande majorité de mes patients sont aussi de famille décomposées. J'ai beaucoup réfléchi pour voir si j'allais utiliser ce mot de décomposé parce que personne ne l'utilise. Je me suis dit, ma Catherine, tu es violente. De nouveau, j'ai demandé la vie à ma fille qui, je trouve, être assez intelligente. J'ai décomposé. Ben, elle m'a dit, c'est ça, maman. Personne ne le dit. On dit toujours recomposer. Ben, en fait, avant d'être recomposé, c'est décomposé. Donc, moi, j'aime bien parfois oser dire les mots vrais. Voilà. J'ai beaucoup de couples décomposés et recomposés dans mon cabinet, donc j'ai beaucoup de, de tendresse pour les gens qui essayent de faire le mieux qu'ils peuvent. Hein. C'est pas ça que je dis, mais je dis à un moment donné, il faut utiliser les vrais mots. D'ailleurs, c'est hyper rare que deux amoureux qui s'engagent euh, viennent me dire nous, je veux vraiment, euh, nous voulons vraiment tous les deux que vous nous aidiez, euh, Catherine, euh, euh, parce qu'on veut rester dix ans ensemble." Ben non, en fait. Quand ils viennent chez moi, c'est qu'ils veulent rester toujours ensemble. Donc, ce toujours, c'est une quête. Après, on n'arrive pas, on fait ce qu'on peut, mais c'est vraiment une quête. Les connaissances scientifiques montrent que dans toutes les espèces, il y a un équivalent de la famille, hein, pour parler, un cadre qui permet la transmission de la vie et protège souvent les plus fragiles. Et les plus fragiles dans la famille, c'est les petits, les enfants, ceux qu'on doit protéger. Nous sommes souvent émerveillés lorsque nous visionnons, par exemple, un documentaire animalier qui présente les règles de la, de la, de la vie des éléphants. Vous avez déjà vu comme c'est mignon Le petit éléphant, le grand éléphant, la maman éléphant, Enfin, c'est trop beau quoi. Ou les oiseaux, vous voyez, c'est trop trop beau. Eh bien, le groupe familial, euh, le nôtre, des humains, ben, il est aussi beau que ça. Et en fait, il est très fragile et il faut le protéger. Euh, Protéger et restaurer la famille humaine en tenant compte des règles inscrites dans la nature humaine est de la première importance aujourd'hui pour protéger l'individu de tous les âges de la vie. Ce qui est difficile, c'est que chez nous, ces règles ne s'imposent plus parce qu'on est devenu humain. Les familles humaines ont leur source dans la nature humaine, mais elles sont aussi le fruit des aléas et des difficultés de la vie, de nos choix de la culture. Alors, chez les êtres humains... Le support biologique de la fidélité, ça c'est... J'ai oublié de prendre son livre, c'est Écochard, René Ecochard, qui a beaucoup travaillé sur les neurosciences, persiste, donc c'est un support biologique, donc il y a des, des hormones qui accrochent, quoi, hein, entre 2 et 7 ans. D'ailleurs, souvent, euh, la passion amoureuse, c'est 18 mois, 3 ans. Ils arrivent et puis ils me disent je suis plus fou amoureux d'elle comme au début je dis bah ben heureusement tu vas faire quelque chose de ta vie maintenant parce que quand on est fou amoureux on pense qu'à une chose c'est tout le temps coller à l'autre l'embrasser être tout près être, être inquiet donc heureusement qu'on n'est pas amoureux euh, passionné enfin bon ça peut durer plus que trois ans mais je dis normalement ça revient mais c'est pas à un moment donné normalement aimer quelqu'un c'est voir le voir comme il est c'est à dire que c'était la plus belle de la terre là je vois qu'elle est très très belle peut-être que si tu cherches bien il y peut-être une autre plus belle ou l'autre, l'homme, c'est le plus beau. Mais peut-être qu'avec les années, on se dit, dans le fond, il y en a d'autres plus beaux. Mais c'est pas grave, c'est celui-là que j'ai choisi d'aimer. Bon, ça, c'est le support biologique. Ça persiste 2 à 7 ans. Être fidèle toute la vie ben, nécessite donc une décision. Ici, là. Des actes quotidiens. Tantôt, j'avais une patiente fantastique, elle ne veut pas dire merci. Quand c'est normal, elle ne dit pas merci. Donc quand son mari vide les poubelles, elle ne dit pas merci. Ben non, c'est normal. Ben, et là, c'était drôle. Parce que quand elle part, euh, je lui dis au revoir. Et en fait, je me suis dit, elle ne m'a pas dit merci. Et puis son mari me dit au revoir et merci. Et donc, je l'ai rappelé. Je lui ai dit, vous avez vu, merci. Pour vous, c'est vraiment difficile. Parce que comme vous m'avez payé, il n'y a pas à dire merci. Puis je lui ai quand même dit en rigolant, vous savez, dans le fond, je jamais fait vraiment attention. Mais je pense que j'ai plein de patients qui me disent merci. Mais moi aussi, je leur dis merci pour tout ce qu'ils me disent. Avec tellement d'humilité dans mon cabinet. Bah, évidemment qu'ils me payent, c'est mon travail. Mais alors, on peut se dire merci. Donc, quand on vide les poubelles, on dit merci. Ou quand on fait le repas, on dit merci. Mais même si on fait le repas depuis 10 000 fois, il faudrait compter combien de fois on fait les repas. Moi, j'aime autant qu'on me dise merci. Hein, parce que franchement, euh, le lave-vaisselle. Ah oui, le lave-vaisselle. Il faut un peu, un peu du... Comment est-ce qu'on appelle ça du, euh, comme, le, du carburant, quoi. Un hein, merci, c'est un carburant. Je vais refaire. Ça m'a fait plaisir qu'ils me disent merci. des petites médailles. Bon, donc c'est pour vous parler des actes quotidiens, la gratitude, le développement d'une amitié conjugale, l'union intime sexuelle, ça c'est quand même très important de savoir, contribue euh, à la fidélité, à l'attachement, grâce à la merveilleuse petite hormone de l'attachement qu'est l'ocytocine. Donc plus on fait l'amour avec l'homme qu'on aime, plus on va l'aimer, plus on va être attaché. Et là, on peut construire une cathédrale. Par contre, si on se disperse à gauche pendant deux ans, et puis encore à gauche pendant trois ans, et puis on fait des petites huttes. Voilà, ça dépend les goûts. Et puis, il y a tout ce travail de compréhension, évidemment, de l'eau, de son tempérament, de ses manies. Euh, oui, souvent, ce qui m'a attiré chez lui, quand j'avais 18 ans, ou 19 ans, ou 20 ans, m'énerve tout à coup très fort. Et donc, on cherche, et on creuse, et on, et, on, et on avance, et on se rabote. Moi, je dis souvent aux patients. L'être humain, c'est comme si, euh, au moment de, notre, euh, de, la, de, la, de la rencontre de l'ovule et du spermatozoïde, on était une pierre précieuse, tout à fait particulière, tout à fait unique. Eh bien, je crois, par exemple, un rubis, une opaline, n'importe, un, bon, tout ce que vous voulez, et je crois que le travail d'arriver à vivre en couple toute une vie, eh bien, je crois qu'alors on meurt plus proche. Donc, alors, du coup, on, vous voyez, on s'encroute un peu, euh, on n'est plus, plus le brillant comme on était au moment de notre création. Et je crois que la vie de couple réussie, c'est se raboter tout le temps les angles et retrouver cette perle. Bon, c'est ce que je crois. Bon, voilà. Mais Je trouve que, je vois bien que l'image parle souvent aux personnes. Ça veut dire qu'on doit se laisser raboter par l'autre. Voilà. Donc, le support biologique de l'attachement et de la fidélité ne suffit pas à tenir toute la vie, comme chez les éléphants, par exemple. C'est important de savoir que ce n'est pas naturel chez nous. C'est naturel au début, puis c'est en fait la conscience. C'est la raison pour laquelle, et ici je cite Écochard, dans tous les continents, la société a, avec ses règles écrites ou non écrites, orienté les groupes familiaux à maintenir la stabilité conjugale. Ça fait du bien de le réentendre. Hein Moi, j'étais content de le relire chez Écochard, parce que j'en suis sûr. Vous voyez parfois. Le, la conjonction du support biologique et des règles qui favorisent la cohésion familiale ont permis d'aboutir à la famille décrite par les anthropologues comme universelle. Les strauss constatent même que la famille est une loi naturelle. Intéressant, hein Évidemment, bon, aucune famille n'est parfaite, mais aujourd'hui protéger, restaurer la famille est de la première importance pour protéger l'individu, surtout le plus petit. Alors très très vite, pour vivre un amour durable, hein, parce que je me suis dit que j'allais vous quelques points essentiels, si on n'est pas encore engagé, eh bien, on discerne. Moi je fais ça dans mon cabinet, j'ai des jeunes qui arrivent, ils sont ensemble depuis longtemps, eh bien je vais vous dire que là je discerne bien hein, pour être sûr que ça tient bien. Et puis une fois qu'on a discerné, on s'engage et on tient sa parole voilà. Mais avant. Donc on discerne, on réfléchit, on évalue tous les problèmes quoi. Si on est engagé, une fois qu'on est engagé, eh bien on travaille son couple. Ça se travaille, quoi. Voilà. Tous les jours. On doit oser communiquer sur tous les sujets avec l'homme ou la femme qu'on aime. Les sujets qui fâchent dans mon cabinet, vous allez rire c'est l'argent, la sexualité, la belle famille. Ça, c'est déjà plus facile, on en parle déjà plus. Les enfants, l'éducation des enfants. Euh ben les, gros, les tâches ménagères. Bon, il y a encore quelques-uns. Mais en fait, il n'y en a pas dix. Hein. Il n'y en a pas dix. Voilà. Alors, euh, très important, très très important pour, pour tenir en couple longtemps, c'est vérifier nos réservoirs affectifs. Et je vais vous en parler dans quelques minutes. Voilà. Et puis aussi vérifier nos blessures. Vérifier vraiment les blessures d'enfance. Est-ce qu'on les a guéries ou pas Bon, voilà. Est-ce qu'on a eu des traumatismes Est-ce qu'on a manqué de cadre Et vraiment essayer de travailler ça. L'idéal, c'est plutôt avant de, de s'engager. Euh, et donc, comme je vous le disais, vivre un amour durable en tant qu'adulte, si c'est possible, Voilà, si on n'est pas vraiment dans des, une configuration de couple impossible, parce que parfois, il y en a un qui a une pathologie si grave qu'on va mourir aussi. Hein, donc, euh, moi, je ne suis pas... Il euh, y, y, y a des cas terriblement tragiques, et donc il vaut mieux se séparer. D'accord Je ne suis pas. Mais globalement, on essaye parce que pourquoi notre témoignage en tant que parents ou grands-parents est vraiment central, et je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors que dire à nos enfants Et j'ai bientôt fini. Concrètement. Alors il y a d'abord des points d'attention. Tout d'abord, les questions que vous posez vos jeunes qui parlent des émotions du cœur sont fondamentales. Parce qu'il n'y a pas de magasin d'amour. Ça n'existe pas. Des magasins de sexe, malheureusement, aujourd'hui, il y en a partout. Des sex-trucs, des machins, des... Bon. Donc, toutes les questions qui vous posent avec le cœur, le lien, c'est fondamental. Combien de personnes recherchent l'amour, ce besoin vital d'aimer et d'être aimé, dans le sexe J'ai beaucoup de jeunes filles qui... celles qui sont rentrées tôt dans la sexualité, qui, en fait ne se sont jamais sentis aimés à la maison. Et la seule manière qu'elles ont compris ou qu'elles ont cru comprendre d'être aimées, c'était de se laisser euh, pénétrer, excusez-moi, voilà, ou de faire des fellations dès 14 ans. Donc en fait, ces jeunes se trompent. Ils recherchent l'amour, ils recherchent la tendresse et ils vont dans du sexe. Ben, C'est ce que la société leur renvoie. Puisque Durex, par exemple, il dit, Love, sexe, Durex vous voyez les, les messages subliminaux qu'il y a partout dans la société love égale sexe, ben non ça n'a rien à voir enfin si ça devrait être uni mais par contre dans ce genre de, 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 que, je, que je vous ai dit de, 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 de comment il s'appelle, qu'il ne sait, ben on voit bien non, c'est le sexe récréatif tant que tu le veux c'est bien bon ça fait quand même 60 ans hein, qu'on nous bassine avec ça donc c'est vrai que c'est pas facile hein, pour les jeunes moi j'ai vraiment beaucoup de, 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 de tristesse pour nos, pour nos, nos jeunes Concernant les questions qui parlent du corps, il y a toujours un grand intérêt quand ils vous posent des questions plus techniques, on va dire, sur le corps, que, que ce corps soit présenté, comme je vous l'ai dit au début, comme un sanctuaire, puisqu'il est unique, c'est sacré. Voilà. Bah, parce qu'on ne profane pas un lieu sacré. Normalement, ça, ils ont retenu. On respecte. Donc, on peut prendre le temps de vérifier avec l'enfant. Si ce qui entre dans son corps, par ça, c'est des petites choses, mais est-ce que je mange voilà, Pas devenir obsédé de la nourriture, mais est-ce que c'est bon ce que je mange Est-ce que c'est beau ce que je vois Est-ce que c'est gentil ce que j'entends ça, ça, ça le prévient aussi sur tout ce qui rentre dans son corps. Voilà. Par ailleurs, pour toutes les questions ou réflexions des enfants et des adolescents, il me semble très très important, avant de réagir ou de répondre, de demander ce qu'il veut dire pour éviter tout malentendu. Je raconte toujours la même blague, mais c'est assez drôle. C'était une maman, son petit garçon euh, voulait dormir avec son ami l'un au-dessus de l'autre. Donc la mère était affolée et donc en fait, il s'agissait d'un lit superposé. Voilà, donc il faut, il faut toujours voir ce que le petit dit et surtout... Lui demander d'abord comment il répondrait à sa propre question, ce qu'il a déjà imaginé, surtout les petits. S'il imaginait qu'on faisait les bébés par le nombril, on est très content, ne hein, vous inquiétez pas, à 18 ans, il aura compris. Donc là, je parle pour les petits. S'il pense que c'est par l'oreille ou le nez, de toute manière, on voit bien que dans le fond, même si on leur explique, ils gardent leur idée. D'accord. Donc, on s'en fiche, l'histoire du chou, de la cigogne, pas grave. C'est des enfants, ils n'ont pas besoin de savoir un cours de biologie approfondie. Ce n'est pas du tout ça qui l'intéresse en fait. Ce qui... Oui, Et alors surtout, oser dire si on est un peu décontenancé par les questions, on dit ⁇ Ah, c'est une bonne question, je vais y réfléchir. Je reviens, il faut revenir le lendemain, ou assez rapidement. N'attendez pas six mois, parce qu'il aura été chercher sa réponse ailleurs. Mais donc on peut toujours dire... Moi, j'étais prof de latin. Parfois, j'avais des questions, je me disais, bah, dans le fond, je ne sais pas. Bah, je disais, bah, écoutez, je vais vérifier pour demain. Soyons humbles. On ne sait pas tout. Hein. Enfin, en tout cas, moi, je ne connais pas de personne qui, qui, qui sait tout. Alors, donc, la différence est fondamentale entre les réponses à donner aux enfants et aux adolescents. Aux adolescents, bon, on peut être plus euh, clair. Quoi, hein. Là, ils sont grands quand même. On ne va plus faire des fractions euh, psychiques. Alors, ce qui intéresse l'enfant dans la sexualité, le petit, c'est bien moins la question factuelle du rapport sexuel entre le monsieur et la madame ça pas en fait que les questions sur la relation père-mère et lui c'est ça qui l'intéresse c'est ça qui l'intéresse c'est la procréation qui attise sa réflexion là pour lui il s'agit bien d'une question existentielle suis-je bien l'enfant dont il souhaitait la venue au monde c'est cette question qui est centrale pour lui donc c'est la tendresse qui peut le rassurer pas du tout un coup de biologie absolument pas ça, ça va l'angoisser. Il va se dire Mais quelle horreur euh, On rentre dans le pet de maman. Enfin, vous voyez, il va avoir très peur, en fait. Il ne faut pas parler de ça. Euh, alors, une fois qu'on a fait ça, on répond et on s'assure qu'il a bien compris le petit. Donc, pour les histoires corporelles, on s'en fiche qu'il répète que c'est dans je ne sais pas par où, moi. Mais par contre, au niveau du cœur, etc., on lui demande de répéter. Euh, et ça, je l'ai dit. Euh... Oui, s'il revient cinq fois avec la même question, on répète. Même l'ado, on répète, c'est qu'il n'a pas bien compris ce qu'on voulait dire. Voilà. Alors, euh, pour les adolescents, c'est extrêmement important d'être audacieux, de dire ce que vous savez et de ne pas avoir peur d'avoir l'air d'être, je ne sais pas quoi, vieux jeu, ringard, pas à la mode. On s'en fiche. Pourquoi Parce qu'on ne fait pas des enfants pour qu'ils nous aiment. Bah, tant mieux s'ils nous aiment, c'est plus sympathique, mais ce n'est pas pour ça qu'on les fait. On fait pour qu'ils aillent aimer plus loin. Plus loin. D'accord, donc en fait on n'est pas là. Est-ce que mon enfant m'aime, est-ce qu'il m'aime, est-ce qu'il m'aime? Est-ce que si je lui dis ça, il va plus m'aimer? Vous vous rendez compte de la puissance qu'on donne à cet enfant. Bon, voilà. Alors donc il faut penser à sa construction psychique et pas à nous. Oui, il va dire maman pas t'aime. Il va, il va vous taper sur le genou, on va le mettre dans le coin. Mais oui, tu peux ne pas m'aimer, ce n'est pas grave. Voilà, on, on tient. On ne fait pas des enfants pour qu'ils nous aiment. Sachez que tous les moments que vous passez avec eux comme ça, ce sont des petites histoires sacrées. Vraiment, quoi que vous fassiez au moment, où, au moment où votre enfant arrive avec sa question, s'il vous plaît, arrêtez et offrez-lui ce temps. C'est plus important que votre travail, c'est plus important que votre belle-mère, c'est plus important que votre mère même. Euh, voilà, c'est plus important, d'accord Alors c'est un vrai beau cadeau. Et alors trois petits exemples de petites manières dont on pourrait répondre, hein, vraiment des petits exemples. Par exemple, papa, ça veut dire quoi s'aimer ah Bon, c'est un peu une réponse. Allez vous dire où ouais, elle l'a travaillé, Catherine Jongen. Ben oui, je l'ai travaillé, mais ça va vous donner des idées. Je vous la lis, hein, puisque je l'avais travaillée. Ah oui, d'ailleurs, je fais un peu de publicité. On est en train d'écrire, avec toute la SBL euh, de la Ligue, dont je vous ai parlé tout à l'heure, un petit recueil avec tout ce genre de petites histoires. Bon, il va être bientôt édité, je ne sais pas quand. Mais enfin, vous serez sûrement au courant, hein, par nos amis de Namur. Donc, voilà. Ce sera sûrement pas très cher. Je vous le dis, quoi. On va même... enfin, voilà, ce sera sans doute le prix de... du papier. Alors, papa, ça veut dire quoi, s'aimer « Oh là là, mon petit cœur, s'il y a bien une question importante dans la vie, c'est celle-là. » Donc, déjà montrer que c'est fou. Alors, on pourrait dire mille choses. Alors, vous pourriez répondre autrement, évidemment. Hein. Je vous donne un peu parce que, je, voilà. Tout d'abord, il y a différentes formes que peut prendre l'amour. On pourrait imaginer que l'être humain a sept réservoirs affectifs dans son cœur. Le raconter, par exemple, moi, j'adore l'histoire du basilic. Parce que, normalement, on a presque beaucoup d'êtres humains belges ont du basilic en pot dans leur cuisine. Parce que dans la nature, chez nous, ça marche pas parce qu'il n'y a pas assez de soleil. Qui a du basilic chez soi Oui, bon, ça va. Donc, tout le monde a du basilic, comme je le disais. Voilà. Vous avez déjà remarqué, quand vous mettez pas d'eau, qu'est-ce qui se passe Tout de suite. Hein. Donc, petit à petit, il est bien fait, il est bien joli. Et puis, et puis petit à petit, quand on l'oublie, il est comme ça, complètement flagada. Et ce que je trouve magique dans le basilic, il a beaucoup de reconnaissance. Vous lui donnez un peu d'eau. Il faudrait regarder. Hein. En une heure, il est de nouveau brillant. C'est vraiment pour expliquer les réservoirs affectifs, j'aime beaucoup l'histoire du basilic. Voilà. Alors, les hommes qui ont une femme un peu basilique, ils doivent être attentifs, etc. etc. Bon. Alors, il alors, y, y a sept grands réservoirs dans le cœur humain. Il ouais, y en a peut-être d'autres, hein, mais je vous le dis un peu. Il y a l'amour filial, c'est-à-dire l'amour la, qu'on reçoit de sa maman et de son papa, et parfois euh, l'amour qu'on donne à son papa et sa maman. Et, et ça, il faut bien se rendre compte, sans doute pas ici, mais qu'il y a quand même des parents qui ne savent pas aimer. Il y a des enfants qui sont traumatisés, qui manquent d'amour. Ça, c'est un point important à savoir. Il y a l'amour familial, donc l'amour des frères et sœurs, les cousins, les grands-parents. Il y a l'amour des amis, qu'on appelle l'amitié. Et là, on, on, on s'arrête un peu pour aux petits et on dit Toi, tu es dans le temps de l'amitié. C'est comme une boîte à outils du grand amour quand tu seras un papa ou une maman. Dans l'amitié, on s'exerce à plein de choses. La sincérité, la fidélité, le partage, les disputes, les demandes de pardon, l'attention à ce que l'autre aime bien ou pas. Vous avez vu, il n'y a pas l'exclusivité. Ça, c'est dans l'amour. Alors, il y a l'amour qu'on a pour soi. Moi, j'ai quand même beaucoup d'adultes de, de, dans mon cabinet qui ne s'aiment pas. Tantôt, j'avais une dame splendide, mais belle. J'apprends qu'elle ne s'aime pas. Je la regarde, je lui dis Mettez-vous debout, mais vous êtes splendide Eh bien, non, elle ne s'aime pas. Mais son mari l'aime beaucoup. L'amour de ce que l'on fait, c'est-à-dire du travail. L'amour de. Est-ce que tu aimes bien quand tu écris la calligraphie ou joues au foot aussi dans un mouvement de jeunesse, etc. Mais l'amour de ce que l'on fait. Alors, là, lui dire il y a aussi le grand amour quand, quand on est grand. Ils sont petits, hein. donc on ne dit pas la même chose aux ados. Le grand amour quand on est grand, de sa femme ou de son mari. On peut dire quelque chose comme s'aimer quand on est grand, c'est se raconter des secrets, c'est se promettre d'être toujours l'un à l'autre, des petites choses. Vous voyez comme ça, quoi. Et puis, un réservoir qu'on oublie toujours, l'amour qu'on peut ressentir pour quelque chose ou quelqu'un qui nous dépasse. Tout ce qui touche le cœur de notre cœur et le mystère de la vie avec les grandes questions philosophiques. Qui suis-je D'où je viens quel est le sens de ma vie Ou, pour les croyants, la question de Dieu. On ne peut pas imaginer à quel point j'avais l'autre jour un patient dans mon cabinet, il me disait que son petit enfant de 5 ans voulait mourir. Mais il ne parle jamais de, la, de ces questions. Jamais, parce qu'ils sont athées. Ben, je dis, écoutez, il euh, faut raconter des histoires. Bon, voilà. Alors, un autre. Maman, j'ai une amoureuse. Préalable, il est très important de ne pas adultomorphiser les enfants. Ils ne sont absolument pas des adultes en miniature. Ils ont un psychisme qui a encore besoin de mûrir, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ils sont sexués, mais pas sexualisés. Je répète, on sait à quel point. Bon, ça j'ai déjà dit. Voici ce qu'on pourrait dire. Maman, j'ai une amoureuse. Ou, ou bien, maman, je suis fâchée parce qu'il a dit que j'avais une amoureuse. Vous voyez un peu hein, toutes ces petites ces, ces trucs là. Ou euh, la maîtresse a dit qu'on devait amener un cadeau pour notre amoureux à la Saint-Valentin. Alors, moi, ce n'est bon pas facile. Hein. Pourquoi tu penses que tu es amoureux, par exemple, on pourrait demander. Et en fonction de sa réponse, on pourrait dire ben dans la cour de récréation, j'imagine que beaucoup disent qu'ils sont amoureux, puisqu'on sait que c'est très à la mode de sexualiser les petits-enfants. Hein. Ben de fait, tu peux déjà parfois ressentir une certaine émotion ou de l'admiration pour une petite fille, c'est vrai. On se rappelle tous à la cour de récré, parfois, il y en a un qu'on trouvait spécialement joli ou qui était gentil ou qui s'occupait de nous. Bon. Euh, on peut lui dire tu as envie d'être près d'elle c'est vrai l'amitié c'est ça en fait bon mais il y a parfois une amitié particulière mais c'est bon pour pouvoir un jour bien aimer être amoureux il faut que trois dimensions en toi aient grandi je le fais rapide il faut le faire plus lent ton corps ton cœur et ton cerveau ton corps as vu ton grand cousin de 18 ans ben, qu'est-ce qui a changé etc déjà montré que c'est pas la même chose quoi, hein. il est tout petit lui euh, occasion d'expliquer un peu les différences entre les monsieur et les madame hein. ça c'est pas intrusif vous voyez de raconter ça il y a la barbe, il y a la carrure. Ça, c'est pas du tout de l'intrusion traumatique quand on fait ça. Euh, ton cerveau va expliquer qu'il il, il en a encore pour 20, pour 20 ans de développement. Et alors lui dire en étant bien studié à l'école, en continuant à avoir de bonnes discussions avec nous, c'est comme ça qu'on développe. Et ton cœur, il va grandir par tes amitiés, comme je l'ai dit tout à l'heure, que tu vas construire peu à peu, avec l'empathie, l'écoute, etc. Ce qui développe maintenant ton cœur, c'est ta capacité à aimer dans l'amitié. Les belles amitiés développent les grandes qualités, comme j'ai dit tout à l'heure, la gentillesse, la serviabilité, la capacité de demander pardon. Les jeunes, y comprennent très très bien hein, ça dans les écoles. Ils sont merveilleux, ils racontent tout ça eux-mêmes, hein, si je vous le dis comme ça, mais ils le savent hein, que dans l'amitié, il y a tout ça. C'est central pour eux, les amis. Ce sont des qualités qui font grandir le cœur. Par contre, si tu penses aux petites histoires amoureuses, souvent tu constateras, ils le savent très bien, que ces histoires compliquent le cœur et prennent la tête. Vaut mieux garder dans son cœur sans le dire aux autres, tu sais, éventuellement, si tu veux me le dire à moi, que ton petit cœur est amoureux. Vous voyez, pas besoin de le dire à la planète, quoi. Hein euh, ça ne va pas sauver la planète. Bon, quand tu seras grand, tu as encore le temps. Bien à dire qu'ils ont le temps et que ton corps, ton cœur et ton cerveau seront prêts, il sera encore bien temps de dire à une amoureuse que tu l'aimes. Montrer que c'est des histoires de grands. Voilà. Et je dois absolument terminer. Il y a le bébé. Maman, comment est-ce qu'on fait des bébés le plus important à ce moment-là, c'est de raconter comment que l'enfant a déjà a été un bébé. Et de lui raconter l'histoire dans le ventre de la maman. Je dois terminer, hein Ça va Ah, ça va. Je, je vois. Donc, lui raconter donc, à lui l'origine de son origine. Un papa, une maman, une petite graine de vie. Ça, ils comprennent très bien. Une petite graine. La rencontre. Normalement, ils ne demandent pas comment ils se seront rencontrés. Ils ont tous un peu leur idée. L'autre jour, un papa qui me dit Oui, je suis quand même. Vous, tu sais, il m'a raconté que c'est quand j'étais tout près de ma femme qui avait la, la petite graine qui passait. Je dis Ben, alors, c'est parfait. Il ne faut pas plus. C'est parfait. C'est juste bien. On est tout près. C'est tout. Ils ont plein d'idées. Hein, ils sont fantastiques. Le grain de sable qui devient un petit poids, puis qui grandit pendant neuf mois dans le nid, dans le berceau, etc. Alors, le premier jour de ta vie, tu n'étais pas plus grand qu'un grain de sable. Ils adorent ça. Ils adorent. Ah bon. Ah, il vous pose mille questions et puis alors vous pouvez faire un peu toute l'évolution. À trois semaines ton petit cœur battait. À quatre semaines tu avais la, ta la taille d'un petit grain de blé. Le mieux c'est d'avoir un grain de blé. Hein. Tu te rends compte, tu étais petit comme ça. À cinq semaines tes petits bras, et tes petites jambes. À six semaines tes petits yeux. À dix semaines euh, tu faisais la taille d'un petit marron, d'une petite châtaigne. Chaque fois qu'il va avoir une châtaigne, il se souviendra qu'il était si petit. Euh, on arrive à voir tes petites oreilles, ton petit zizi, ton petit visage, ton petit nez. Etc. Puis tu continues à grandir et c'est grâce au cordon ombilical que tu es nourri. Ça, ça les intéresse quand même très fort. D'ailleurs, tu vois ton petit nombril Ça, ils adorent l'histoire du nombril. C'est par là qu'il y avait la possibilité que tu manges. Blablabla. Bla, bla. Et puis tu donnais des petits coups de pied. Ça, ils adorent quand on raconte. Je donnais des coups de pied. Et tu entendais la musique. Je vous ils adorent. C est, c est, ils n'ont pas du tout envie de savoir. Vous voyez comment on fait les bébés. En fait, ils s'en fichent complètement. Ils ont envie de savoir comment eux, ils ont grandi. Donc ça, c'est très, très bien. Et puis, tu étais tout petit quand tu es né. Tu avais besoin de... Et là, vous continuez à raconter. Mais ça, tu avais surtout besoin de beaucoup d'amour, beaucoup d'amour, beaucoup d'amour et beaucoup de tendresse. Voilà. Et puis, pour terminer, et ça, je vous en ai déjà un tout petit peu parlé, le corps, avec cette, cette, cette pseudo-idée du consentement, là, qui m'énerve, enfin, qui est grave, qui est gravissime. Je ne veux plus aller dans les vestiaires collectifs de la piscine, par exemple, dit le petit garçon. Voilà. Ce sont toutes des histoires réelles, hein. ce n'est pas moi qui les invente. Hein. C par exemple, qu'est-ce qui s'est passé Tu peux me raconter. Euh, oui, il y a l'autre qui a regardé mon zizi ou des choses comme ça. Pour rappel, je l'ai déjà dit, je le répète et je terminerai avec ça. Un enfant, de par le fait qu'il est enfant, et donc mineur jusqu'à 18 ans et il n'a pas la, la, la capacité de consentir. Alors il y a une petite... Euh, en tourloupe au niveau juridique euh, entre 14, et 16 ans, enfin, etc. Mais enfin, en gros, normalement, c'est un mineur et c'est les adultes qui sont responsables. Il est donc très important de dire quelque chose comme ceci à l'enfant. Personne, que ce soit un petit enfant ou un adolescent ou une grande personne, ne peut toucher ton corps. Ne peut toucher ton corps. Personne, dans les endroits intimes. Hein, parce qu'après, euh, quand on fait une tape-là, ne me touche pas, il ne faut quand même pas exagérer. Hein. Alors, le les contes avec les méchants loups et les ogres servaient clairement à aider les enfants à comprendre la perversité sexuelle sans la nommer. Faut quand même comprendre que ces contes étaient fantastiques. Et si vous observez bien dans les librairies, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Il y a de nombreux livres pour enfants qui brouillent les pistes. Le loup est végétarien. <laughs> non mais faut le faire quoi. Le loup végétarien. L'agneau est méchant. C'est l'agneau qui veut tuer le loup. Le cochon devient <laughs> l'ami du loup. Et on continue comme ça dans le délire. C'est hyper grave. Hyper grave. Il faut le bon vieux conte, bien classique, où les gentils sont gentils, les méchants sont méchants. Et évidemment qu'on sait que dans la vie, tous les jours, c'est un peu plus subtil que ça. Mais nous sommes des adultes. Mais dans le monde des enfants, il faut que ça soit très clair. Le loup, c'est le loup. Ce n'est pas le gentil loup. Il y a d'ailleurs, j'étais très énervée l'autre jour sur une pompe à essence, euh, sur une autoroute, j'ai vu, c'est petit loup. Et petit loup, elle l'ami du zèbre. Et, a... et d'ailleurs, je voyais, c'était bizarre, quoi. Petit loup tirait la culotte pour voir le zizi. je me dit, enfin, quoi, quelle idée de montrer ça dans un truc d'enfant, quoi. Bon, il ne faut surtout pas ajouter à la phrase personne ne peut te toucher, sauf si tu le veux. Jamais dire ça! Donc ça je l'ai dit, hein. un enfant n'a pas la capacité de consentir, et on pourrait même dire, faut voir, n'allez hein, pas euh, terroriser votre enfant s'il n'y a pas de risque, hein, d'accord, mais dire, tu sais si quelqu'un t'oblige et dit que c'est ton secret, il faut que tu saches que c'est un faux secret, c'est des, des mauvais secrets, c'est des secrets mauvais, et tu dois venir m'en parler pour que papa et moi nous puissions te protéger. C'est notre rôle. Tu es trop petit pour te protéger tout seul. Oui, je pourrais vous en raconter plein des histoires là-dessus. Et même des militants qui ont été dans une école faire des sénettes avec des abus sexuels, euh, donc devant des, des primaires, où donc ils euh, euh, mimaient un abus sexuel, je ne sais plus, entre l'oncle et le petit enfant. Je ne sais pas très bien comment ils mimaient, je ne veux pas imaginer. Et puis, dans une deuxième fois, il disait aux enfants de dire ⁇ Non, tu peux pas !⁇ Comme si c'était les enfants qui devaient se protéger. Hors de question. C'est nous qui devons protéger les enfants. Donc il faut peut-être lui répéter, pour le moment et jusqu'à tes 18 ans, l'État belge demande que nous soyons responsables de toi. Nous sommes donc tes protecteurs. Nous avons à protéger nos enfants. Nos enfants sont ce que nous avons de plus précieux. Et donc vraiment, continuons, encourageons-nous à les protéger. Voilà. Merci beaucoup pour votre présence et votre attention. J'ai été un peu longue, mais voilà. Voilà. Un grand merci, Madame Catherine, pour de votre intervention. Pour de pour, votre, pour les soirées, pour, pour ce soir. Elle nous a permis d'entrer de euh, plus en profondeur dans ce sujet délicat et en bon qui est la protection des enfants. C'est bien qu'aujourd'hui, que euh, aborder le sujet, parce que c'est quelque chose de très important pour chacun de nous. Et je retiens aussi que la famille, elle est liée de la première socialisation, parce qu'elle elle, elle est le premier endroit on, on, on apprend à se situer face à l'autre, à écouter, à partager, à supporter, à respecter, à aider et à cohabiter. Ça c'est très important aujourd'hui pour, pour la famille et pour chacun de nous. Et aussi une éducation sexuelle qui préserve une saine poudre et une énorme valeur, même si aujourd'hui certains considèrent qu'elle est une question d'otage. C'est vous avez dit bien que ce n'est pas vrai. Donc, on continue, euh, on continue euh, ce soir. Euh, est venu le moment des questions-réponses. Nous vous demandons, pour les participants dans la, dans la salle, d'écrire votre question et de les remettre à Nicolas ou à moi. Donc, euh, on vous donne 5-7 euh, minutes de, de temps pour, pour penser et après, on revient. Et peut-être, comme j'ai débordé beaucoup, euh, comme je sais que euh, on a bien commencé à l'heure et qu'on avait dit qu'on terminait à 22 heures, je me permets de dire que ceux qui doivent aller au lit euh, tôt, parce que voilà, euh, ils ont envie de dormir, parce qu'ils euh, ont besoin de sommeil, je ne enfin, je comprendrais tout à fait qu'ils s'en aillent, quoi, vraiment. Donc voilà, je, euh, parce qu'on avait dit que ça se terminait à 10 heures. Mais personne n'a envie de. de mais peut-être, peut-être, <laughs> voilà, peut-être. Je veux pas. Euh, je je dire, là, le consentement, c'est important. Ok, 7 okay, minutes minute de pause et après on revient. Merci. Merci beaucoup. Ah oui. Oui. Donc jusqu'ici, j'ai parlé de la prévention, puisque c'était mon sujet. Euh, mais que faire pour venir en aide aux gens de notre entourage pour quand... Pour quand il est trop tard. Alors, je ne sais pas quand il est trop tard par rapport à quoi, mais j'imagine par rapport déjà à des intrusions traumatiques. Si la personne qui a posé la question veut me, je donne déjà mon écoute et soutien. Mais que faire de plus Bon, je, je réponds comme ça puisque c'est par écrit. Mais donc, que faire de plus Je vais vous le dire franchement, euh, et je ne prêche pas pour ma chapelle parce que j'ai vraiment suffisamment de patients. C'est à un moment donné envoyer les gens faire un travail thérapeutique chez des gens qui ont l'air plus ou moins d'avoir les idées, en tout cas qui vous conviennent. C'est-à-dire les idées moi j'appelle Un peu de bon sens, quoi. Donc, il, il, il faut parfois, quand on a eu des intrusions traumatiques, quand on a eu des, des, des effractions, il faut aller en parler. On ne peut pas rester tout seul. Et, et une écoute, c'est déjà fantastique parce que l'autre se sent évidemment moins seul. Mais il faut un travail thérapeutique. Il y a rien... Voilà, je suis désolée, je, je réponds assez rapidement, mais il n'y a pas tellement 10 000 solutions, quoi. Voilà. Alors comment faire face devant le déferlement sexuel dans les écoles, non seulement par le guide, mais aussi à travers les programmes du tronc commun Ben oui. oui. Euh, ben, il faut dire qu'on n'est pas d'accord. On est quand même encore dans une démocratie, donc il faut faire des recours, il faut signer les recours. Je dis encore, parce qu'on se le demande quand même, hein, si on est encore. L'autre jour, euh, je ne sais pas si vous avez euh, suivi, mais... Euh, notre premier ministre donc, a expliqué que euh, les histoires euh, d'Evras, etc., euh, c'était de l'infiltration de, de la Russie. Donc j'ai écrit euh, un article là-dessus pour dire que ben, non, on voit bien que dans les écoles, euh, c'est du réel ce que je vous raconte, qu'est-ce que j'ai réinventé, ça. Vous imaginez, je passe des heures bénévole, donc pour, j ai, j ai, enfin, ça n'a pas, pas de sens quoi, que, que quelqu'un comme moi, euh, je gagne beaucoup mieux ma vie quand je, je reçois mes patients pour être plate. Pourquoi est-ce que je ferais ça si c'était faux enfin, Il faudrait vraiment être taré quoi. Donc voilà. Bon et donc euh, et donc voilà, il faut écrire. Il y a, il y a plusieurs recours euh, qui sont euh, en train d'être organisés euh, pour dire que le guide euh, ne respecte pas ni la Constitution ni le développement psycho-affectif des enfants. Quand vous voyez ces recours qui passent et on vous demande de signer et d'être grand, vous le faites, quoi. Ça, c'est vraiment des, 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 des choses essentielles. Alors, si c'est le tronc commun, il, il, faut, il faut remonter, par exemple, au cégec. Ou, ou alors, ce qui, a, qui, qui marche pas mal, c'est chaque fois qu'il y a des choses qui ne vont pas. Euh, alors, je sais qu'on est souvent seul, parce que beaucoup de parents disent, « Mais enfin, t'exagères !»« Enfin, t'exagères !» Ben non, j'exagère pas. J'exagère pas. Ça va pas du tout. Euh, donc, ce qu'il faut faire, c'est alors ça prend du temps, mais ce soit euh, téléphoner à des gens comme par exemple Verlaine Urbain de Innocence en Danger qui fait un excellent travail, se mettre dans les collectifs là que beaucoup d'entre vous sans doute ici connaissent, ne pas rester seul. Voilà, il faut vraiment se, se rassembler, écrire des articles, euh, dire le réel de ce qu'on voit. Dire qu'on n'est pas d'accord et que dire qu'en fait on n'est pas d'accord, c'est démocratique de faire ça dans un pays démocratique. Donc euh, c'est passé à l'action. Moi j'ai réalisé euh, quand même que, que avec un bon travail, les, bou les, cho les choses bougent. Et que donc ça, ça vaut la peine. Quand on se bouge, ça bouge. Il faut y croire. Il faut arrêter de croire qu'on ne va rien changer à rien. Être ici, quand vous venez ici, eh bien vous avez bougé, vous avez pris votre soirée au lieu d'être devant je ne sais pas quelle série abrutissante de Netflix. Vous êtes ici. Non mais c'est vrai, on est dans un, un étrange moment quand même. Hein. Et donc il y a les élections ici qui vont euh, euh, sortir. Il faut euh, oser questionner les politiciens sur toutes ces questions. Et on voit bien que dans la presse, ils ne veulent pas en parler parce qu'en fait, ils ne veulent pas que ça soit un problème électoral. Mais malheureusement, je crois que ça va quand même sortir. Voilà. Il faut oser. Euh... Alors, parce que j'en ai pas parlé, mais il y a toute la problématique monstrueuse de tous les écrans dans les écoles. C'est dramatique. Voilà. Moi, j'ai une grande amie qui s'est spécialisée devant la. Euh, euh, oui, à cause de la, enfin, Dans la toxicité des écrans pour les petits, c'est gravissime. Quand on voit maintenant que les mamans mettent, euh, utilisent les tablettes comme baby -sitter. Je me promenais l'autre jour euh, à la mer et je voyais des enfants assis dans la poussette avec des tablettes. Trois ans. Partout. Voilà. Et donc, nous-mêmes, nous-mêmes, nous, nous déconnecter tous ces réseaux. Ce n'est pas facile. Hein euh, nous-mêmes, est, quand est-ce que c'est vraiment euh, utile que j'utilise ce téléphone On est vite esclaves. Moi, pour vous faire rire, j'ai donc trois trucs. J'ai les mails, les SMS et les WhatsApp. Et déjà, avec ça, parce que je suis quand même quelqu'un d'assez organisé et de rapide et j'aime pas que ça traîne, eh bien, je trouve que c'est ridicule parfois. Je, donc, je parle de moi. Je, donc, j'ai trois trucs. Bon, j'ai beaucoup de, de bazar qui arrive tout le temps, donc j'aime bien être. Mais c'est idiot, en fait. Je devrais déjà peut-être enlever mes mails ou je devrais m'obliger de ne pas regarder tout le temps. Normalement, il n'y a pas mort d'homme. Et puis, j'ai mon mari s'il y a un problème qui peut. Enfin, vous voyez. Euh... Donc, donc je, 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 je dis que, que déjà, quand on n'a quasiment rien. Alors, vous imaginez les enfants qui ont euh, TikTok, qui est fait pour mettre en addiction. C'est créé pour euh, Messenger et tout leur brol là-haut. Enfin, moi, je suis nulle puisque je n'ai rien. Euh, C'est vraiment passer son temps et on scrolle là. Vous voyez? Moi, dans mon cabinet, j'en ai quand même beaucoup des jeunes filles qui prennent conscience que leur image corporelle est extrêmement mauvaise parce qu'elles sont tout le temps inconsciemment en face de splendides nanas. Ah oui, c'est facile, évidemment. Vous vous retouchez, vous vous reloquez, vous mettez bien vos cheveux, je ne sais pas quoi, moi, vous refaites vos seins. Euh, voilà. Bon, évidemment, on, est, on, on, on passe sa journée au lieu d'être bêtement dans le bus à voir qu'on est tous plus ou moins normaux. Ah non, on ne voit que les gens. Non seulement ils sont super beaux. Mais ils font des choses super fun. Et ils ont toujours l'air super heureux. Vous avez déjà remarqué Ou alors super dramatique. Parce que bon, les jeunes, ils regardent aussi tout ce qui est scarification, suicide, crise d'angoisse. Et alors on regarde ça en boucle on se dit, moi aussi j'ai ça en fait. Donc on est quand même dans une ère où il faut véritablement protéger nos enfants euh, de tout ça. Et donc écrire, 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 dire, 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 parler. Les femmes ont fait ça peut-être encore mieux parfois que les hommes. Donc là, on peut vraiment papoter, parler, raconter, dire, on y va. On n'arrête pas, on lâche pas. Moi, je pense que vraiment, si, si j'ai une invitation à vous faire, c'est lire, lire, écouter ce qui se passe et puis le dire. Et plutôt au niveau politique, quand même. Voilà. Parce qu'il faut que ça bouge. Ce n'est pas possible que ça continue comme ça. Enfin, pour moi, en tout cas... Je, je, oui, je, 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 oui je, je trouve ça vraiment grave, euh, et on est beaucoup à trouver ça grave. Hein. Donc, euh, euh, je ne veux pas les citer parce que j'ai cité évidemment Maurice Berger parce que voilà. Il, euh, mais on est, on est beaucoup à trouver ça extrêmement grave. Mais une femme comme Catherine Solano, elle a écrit plusieurs livres aussi pour dire que ça ne va pas du tout la manière dont on parle du sexuel. Elle est, elle est sexothérapeute aussi, elle est médecin sexologue. Quoi. Donc voilà. Donc, euh, quand on n'est pas d'accord. On, on scanne le, la partie du texte, on essaye de, de se mettre en petit réseau avec quelques amis ou des gens, en disant « écoute, tu sais, c'est ça, plus ça, plus ça, à un moment donné, vers où on va, quoi euh, ?» et, et puis, on envoie. Et puis, s'il n'y a pas de, de retour, on continue. « Dites, est-ce que vous pourriez répondre à mon courrier ?» On dit bah, « tiens, c'est bizarre, parce que moi, je vais mettre en… » Enfin, voilà, il faut… Je... Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de mettre en copie plusieurs personnes. Par exemple, le pouvoir organisateur, euh, le CEGEC, le professeur concerné, et, et, on, et, on, et on met les gens face à leurs responsabilités. Parce que vous savez, souvent, les gens qui, bah, qui sont comme vous ici, ce sont, je le sais, souvent des personnes particulièrement attentives aux autres, euh, délicates, gentilles, comme on dit. Et parfois, on n'est pas toujours assez assertif, alors. On se dit, mon Dieu, et si jamais Ben non, soyons assertifs. Soyons assertifs parce que ce n'est pas pour nous qu'on le fait, c'est pour nos enfants et pour la génération d'après. Et alors, il y avait une question très difficile. Comment aborder ces questions avec des ados lorsqu'ils ne posent pas de... Ah non, je n'avais pas lu jusqu'au bout. Ah non, elle n'est pas si difficile aussi. Comment aborder ces questions avec des ados lorsqu'ils ne posent pas de questions C'est une excellente question, cette question qui ne pose pas de questions. Alors, justement, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On leur raconte quand on est en voiture. Là, normalement, ils peuvent pas se sauver euh, ou quand on cuisine. Tiens, dans le fond, et alors euh, on dit tiens, dans le fond, j'entendais une copine qui me disait que en discothèque on distribue de la chenouf. T'es au courant ça Par exemple, on peut commencer comme ça. Ou tiens, dans le fond, j'ai lu dans le journal que euh, mais que par exemple ce que je vous ai dit tout à l'heure. Que beaucoup de filles qui ne se sentaient pas aimées euh, rentrent beaucoup plus tôt dans la sexualité. Tiens, tu as déjà observé ça dans ta classe Ah ben oui, on les appelle les putes. Enfin, vous voyez, voilà. Euh, enfin, je, je vous dis ce que j'entends. Donc, donc, vraiment, oser le dialogue. Sans jamais parler de, sans jamais demander, Alain, tu as déjà eu des relations sexuelles On ne pose pas cette question, ce n'est pas, et ils n'ont pas besoin de nous dire. Moi, le nombre d'enfants qui m'ont déjà dit, écoutez bien, ma maman m'a fait promettre de lui dire la première fois que j'aurais eu une relation sexuelle. Je dis, pardon C'est incroyable. Le, la relation sexuelle, c'est une histoire d'adulte, normalement. Donc, on n'a pas allé à racuspoter à sa mère euh, ce qu'on a fait, quoi. Enfin, je veux dire, euh, moi, en tout cas, dans ma perception, alors peut-être qu'il y a des familles où je, voilà, ça peut peut-être être, être, être très bien vécu aussi. Hein, ça dépend toujours, mais c'est quand même euh, normalement quelque chose qui relève vraiment de l'intimité. Donc, ne, donc ça, je crois que je vous l'ai dit dix fois. On ne parle pas de sa sexualité. On ne leur pose pas de questions intrusives sur eux. Ça a déjà eu un petit copain Non. Tant pis, on ne le sait pas, on ne le saura peut-être jamais, on n'a pas besoin de le savoir, c'est sa vie en fait. Par contre, dire ça impacte comment quand on a une relation longue durée à 14 ans ben, C'est un peu la même chose que les petits-enfants. Souvent ça complique le cœur en fait. Hein on est coincé, enfin moi je vois très bien, c'est les jeunes qui me racontent ça, enfin on le sait d'une manière théorique, mais en fait ils, ils le vivent. Et ce n'est pas toujours facile, hein des couples qui tiennent pendant 20 ans depuis qu'ils ont 14 ans. Parce que souvent ils n'avaient pas fini. Alors c'est possible, hein? et tout est possible. Et c'est beau si ça tient, c'est magnifique. Surtout s'il y a des enfants, il faut que ça tienne entre guillemets. Mais souvent, c'est ce qui a compliqué, c'est qu'évidemment on évolue. Entre ces 14 ans et ces 25 ans, vous imaginez le chemin qu'on fait. Il y a 10 ans, voilà. Donc osez dire. Osez aussi dire, euh, quand la petite vient et elle, elle a 15 ans, euh, et ça, c'est toutes des histoires que je rencontre tout le temps dans mon cabinet. Par exemple, l'autre jour, j'avais une patiente. Euh, bon, quand je raconte des histoires, je mélange tout un peu. Ne hein, vous inquiétez pas, il euh, n'y a personne qui peut se reconnaître dans mes patients, ni personne qui peut reconnaître des patients. Hein, vous comprenez bien, c'est normal. Mais, genre d'histoire qui, qui arrive souvent. Oui, il y a mon fils euh, de, 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 de 15 ans euh, qui a demandé s'il pouvait loger... Euh, avec sa petite copine dans sa chambre. Si vous avez plusieurs enfants plus petits, faites attention hein, parce que ça commence très vite alors hein. Donc il vaut mieux dire bah non. Comment non Pourquoi Mais on fait rien On est juste là à côté de l'autre, on dort hein maman. Mais oui, oui je sais mais écoute non. Euh, et on donne. Et on dit ce qu'on fait dans notre maison. Après, s'il passe par la gouttière ou je ne sais pas quoi, on s'en fiche. Mais, mais on met un cadre, une, des balises. On dit ce qu'on croit être juste. Chacun en fonction de sa propre éthique sexuelle. En tout cas, ça n'aide pas les enfants que d'avoir leur relations sexuelle à la maison. Avec papa et maman là en dessous qui se disent ah, Est-ce que vous avez bien tout J'ai mis les préservatifs. Il, y a quand même une enfin, il faut quand même conscientiser les enfants que la relation sexuelle, c'est pour se reproduire. D'abord. Ah, tant mieux, c'est très joyeux. Euh, et on pourrait en parler pendant des heures. Que, heureusement, chez l'être humain, il y a plein de manières aussi pour ne pas se reproduire. Heureusement. Dire, on, on, voilà. et C'est très gai et, et c'est très important pour le couple, etc. Mais enfin, quand ils sont adolescents, il faut quand même leur rappeler qu'il n'y a pas de moyens. Euh, de contraception sûre à 100%, très important. Leur dit tiens, tu seras prêt que d'avoir un bébé, tiens. Toujours parler du bébé. Est-ce que tu sais que la relation sexuelle, en fait, euh, le truc de base, c'est que ça fait des bébés Ah bon Ah bon Moi, dans les écoles, souvent, quand on met le mot sexualité au tableau, euh, le mot reproduction, euh, il faut aller le chercher. Hein Je dis, mais il me semble que vous avez oublié quelque chose d'important. Après 20 minutes. Ah bon, bébé? Alors quand on parle du bébé, tiens-toi, tu te sentiras près quand d'avoir un bébé? Alors là, tout à coup, bah, je ne sais pas, il euh, faut, faut qu'on soit installé. <laughs> et pour être installé, ils réfléchissent. Bah, avoir un travail. Ah bah oui, alors. Bah, avoir fini mes études. Ah bah oui. Et alors Et on continue comme ça. Bah oui, donc... Et alors si jamais tu fais un bébé et que tu ne veux pas le bébé, qu'est-ce que tu vas faire tu fais quoi On questionne. Puis il répond. Ils sont très intelligents, les enfants, quand on les fait réfléchir. Qu'est-ce que tu vas faire Et puis vous continuez. Voilà, vous continuez. Et donc, et donc quand le jeune ne pose pas de questions, euh, il y, y a un super chouette livre ici que j'ai pris, parce que vraiment, euh, il est très, très bien. Il y en a beaucoup, hein, des livres comme ça. C'est de Henri Joyeux. L'écologie sexuelle, tout ce que les parents doivent dire à leurs enfants de 4 à 20 ans. C'est vraiment un chouette livre. Et alors, il a, il a décomposé ça en des livres pour les petits, pour les moyens, pour les grands. Et donc, observez un peu ce qu'il y a comme question que beaucoup d'enfants se posent et vous allez inventer. Les, les poils chez les filles, par exemple, c'est très différent, n'est-ce pas Et d'ailleurs, à quoi ils servent Tiens, l'autre jour, euh, j'entendais que. <laughs> Vous prenez les questions et vous, les, vous, vous essayez de les, de les, les, les proposer. Voilà. Bon, Ce n'est peut-être pas la question la plus importante, les poils. Hein. Je suis vraiment tombée sur la question... Euh, pff, euh, je ne sais pas moi... Euh, euh, ouais bon, ça c'est des questions très techniques euh, sur le stérilet. Enfin bon, il y a plein de questions. Bon, c'est ça, la pilule, c'est quoi l'impact, les, euh, les IST, etc. On sait quand même aujourd'hui que quand on a eu des relations sexuelles avec plus de trois personnes différentes, on a 100% de chance d'avoir une petite crasse. Qui dit ça aujourd'hui On dit protège-toi, quand tu sors protège-toi, comme, si comme si ça marchait. quoi ben Non, la protection la plus évidente, c'est de prendre son temps, c'est de connaître la personne. Le, le, le gros multipartenariat, l'autre jour, ma chère fille, là, euh, qui me disait que dans son école, que je ne vais pas citer, euh, haute école d'art. Euh, il y avait une de ses amies qui lui disait, oui, zut, je dois foncer, j'ai raté mon je vais rater mon bus pour mon plan à 7 Et alors, elle a mis un temps pour comprendre, c'était son plan à 7 mais elle ne comprenait pas. Non, non, c'était un plan Q à cette personnes. C'est quand même pas très drôle. Hein enfin, franchement, euh, c'est dégoûtant. Euh, enfin, excusez-moi, hein, mais enfin, moi personnellement, euh, voilà, je ne sais pas qui m'écoute, mais moi personnellement, je, je n'ai jamais encore entendu des gens dans le dans le dans l'intime de mon cabinet qui me disaient que ça procurait vraiment du, du véritable bonheur. Oui, avec un peu de cocaïne, en plus du comment est-ce qu'ils appellent ça. Il y en a un, un jour, il s'est fait abuser pendant un an par un vieux monsieur donc euh, qui avait une orientation homosexuelle. Et il lui donnait un cocktail, cocaïne, rélatine et champagne. Voilà. Pendant un an, il l'a abusé. Le gamin avait 18 ans à l'époque. Hein. Vous croyez que ça laisse pas des traces Voilà. Bon, non, je crois que. Je pense que la sexualité est quelque chose de, de trop beau pour que ça soit vraiment euh, bafoué, quoi. C'est quand même un acte qui crée. Pas toujours, je vous le dis, heureusement. Mais ça crée. Donc c'est sacré. Ça fait un peu un jeu de mots facile, mais... Peut-être dire aux enfants, tu sais, euh, c'est sacré, parce que sacré, il faut avoir des petites phrases comme ça, on... voilà, on fait des bébés. C'est quand même pas rien, ils savent très bien qu'un bébé, c'est très important, qu'on ne peut pas tuer un bébé. Enfin, vous voyez, à la cour de récréation, on dit qu'on ne peut pas taper l'autre et le tuer. Hein. Donc voilà, on... Donc les sujets que, les, que certains jeunes ont peut-être trop de pudeur ou euh, n'osent pas, eh ben, il faut aller un peu, euh, comme, comme je ne voilà, sais pas si j'ai répondu à la question, il faut, il faut y aller. Ou quand on va lui dire bonne nuit dans sa chambre, ou quand on est dans mathématiques, vous voyez, euh, il faut utiliser un peu de stratégie, euh, un peu... Dis, nous allons parler de sexualité, vous ne faites pas ça, quoi. Là, il va se dire, mais qu'est-ce qu'elle me veut, celle-là Voilà. Donc il faut quand même être un tout petit peu rusé. Et pas tout à la fois. Donc on, 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 on parsème un peu à, voilà, de petits sujets. Tiens, tu as vu ce film voilà, ça C'est une... bizarre. Et qu'est-ce que tu trouves Bon, il y a un film, quand même, épouvantable, une série épouvantable que beaucoup de jeunes regardent, c'est Sex Education. Donc, c'est évidemment mis en lien avec le planning familial et Netflix. Hein. Donc, c'est quand même. et l'éducation sexuelle en France. Donc, c'est vraiment. Il faut, il faut juste lire un article sur ce type de série, vous allez comprendre. C'est tout à fait euh, la, la philosophie du sexe récréatif à l'état pur. D'ailleurs, même l'autre jour, une, une, une Réto qui me disait. Euh, c'est bizarre dans cette série à la saison 4 il euh, n'y a plus que des personnes qui sont soit homosexuelles, soit bisexuelles soit pansexuelles, mais il y a presque plus d'hétéros moi je ne vais pas regarder je, veux pas regarder. Moi, je, je, je suis trop euh, c'est trop dur à regarder pour moi, je suis trop fâché. Euh, vous voyez, j'ai regardé un épisode le premier et franchement on était déjà euh, euh, en se disant mais comment ça se fait quoi et on fait ça soi-disant pour éduquer les jeunes en fait donc, il faut vraiment, dès que vous voyez des, des pétitions qui passent, vous les signez. Enfin, vous lisez d'abord. Hein non, mais c'est vrai, moi, je dis toujours aux parce que parfois, j'ai des amis à qui j'envoie des trucs, me disent J'ai signé. Je dis Mais t'as lu Ah, ben non, je te fais confiance. Je dis ben, Enfin, tu, tu veux bien lire dis, On doit toujours lire ce qu'on signe. Hein toujours. Ça, c'est vraiment le, le B à bas. Et, euh, et vous-même écrire. Voilà, vous-même écrire. Je ne sais pas s'il y a encore... Voilà, je, 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 crois que je, je pense que j'ai répondu aux trois questions. Voilà. Oui Est-ce que vous diriez que parmi les thérapeutes, vous êtes majoritaire à penser ça Il y a évidemment des thérapeutes qui pensent le contraire. Comment ça se situe C'est très compliqué, euh, cette question. Euh... L'autre jour, j'ai eu une personne, il y a déjà un an, qui m'a dit euh, ⁇ Bonjour, euh, je, euh, je voudrais prendre rendez-vous chez vous, mais je voudrais d'abord savoir si vous êtes euh, LGBTQT friendly ⁇ Alors je dis ⁇ Écoutez, euh, moi, dans mon cabinet, euh, je suis friendly tout le monde. Je dis euh, ⁇ Moi, j'accueille tout le monde ⁇ et c'est vrai. J'ai déjà eu de toutes sortes dans mon cabinet, euh, de toutes sortes. Et moi, ce que j'essaye de faire, c'est un chemin de vie avec n'importe qui. Par contre... C'est vrai qu'il y a des thérapeutes qui se euh, qui se stigmatisent eux-mêmes en étant, par exemple, comme je viens de le dire. Moi, je trouve ça particulier quand même. Voilà. je je, 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 je ne répondrai pas à la question. D'abord parce que euh, quand on est thérapeute, on est quand même beaucoup dans son cabinet. Ou avec comme ça des, des personnes. Mais on n'est pas. Moi, j'ai pas tellement. Euh, j'ai des amis pédopsychiatres, etc. Ah, ben mes amis, oui, euh, on travaille de la même manière. C'est-à-dire qu'on essaie vraiment de travailler pour comprendre euh, que des, des pratiques diverses et variées étonnantes sont souvent le symptôme de, de, de problématiques plus, en plus fondamentales, en fait. Voilà. Alors, mais tout le monde ne travaille pas comme ça. Non. Par exemple, euh, toute la problématique avec euh, euh, les, les psychothérapeutes trans-affirmatifs, pour parler de ce sujet quand même hallucinant. Euh, l'enfant, alors ils disent qu'ils sont extrêmement précautionneux. On écoute le ressenti de l'enfant. Donc si l'enfant, parfois même après une séance, parce qu'ils disent beaucoup de séances, beaucoup de suivi mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas ce qu'on on entend hein, dans les échos des parents, euh, l'enfant va commencer un, un cheminement de changement de genre, donc avec les bloqueurs endocriniens dès 10 ans. C'est quand même étonnant que dans un pays où on respecte les êtres humains, on fasse ça personnellement. Des ablations de seins de jeunes filles de 16 ans, elles n'ont même pas fini leur croissance cérébrale. Souvent, ces hormones antagonistes, pas toujours, mais font en sorte que les enfants vont être stériles. C'est quand même questionnant, à tout le moins. Et c'est bizarre, hein? Dans la presse, on peut peu, très peu parler de ça. C'est tout de suite, mon Dieu, c'est quoi? C'est ringard. Moi, je trouve que c'est pas ringard de protéger un enfant. Je trouve ça assez normal, en fait. Dans notre société des êtres humains, on doit faire, ça c'est euh, la morale quoi, euh, minimale. Non, il y en a certains en tout cas qui, 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 se, qui se fourvoient, me semble-t-il, mais bon, qui suis-je Peut-être que c'est moi qui me fourvoie. Bah, je ne le crois pas, mais après, peut-être. Voilà, je ne sais pas si j'ai tout à fait répondu à votre question, mais. Ouais, ce euh, c'est oui, compliqué, hein. De, 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 oui. De personne, peu, compliqué, oui. Alors, vous déjà, vous regardez sur le, les sites internet, c'est souvent assez clair, parce qu'il y a tout un vocabulaire, une nouvelle langue. Dès que vous voyez identité de genre, euh, euh, etc., on, on peut percevoir, voilà, en tout cas. Euh, une certaine, euh, une certaine orientation dans le travail. Voilà. Donc, regardez le site. Alors, moi, je crois que c'est très important euh, d'oser dire peut-être vous-même, si vous avez pris rendez-vous, bah, quelles sont euh, vos valeurs. Voilà. Dire, tiens, est-ce que vous pensez que ça va... Moi, je dis tout de suite à mes patients comment je travaille. C'est-à-dire que, par exemple, je leur dis, j'ai fait ce métier, bah, comme je vous l'ai expliqué. Je dis donc si vous venez chez moi pour que je vous aide à divorcer, euh, levez-vous et partez. Je le ferai pas. Ou l'autre jour, il y en a, il voulait que je les aide à faire un truc d'échangiste. Je dit non. Voilà. Mais bon, il y a des... des, des voilà, peut-être... Bon, moi, c'est ma manière de travailler. Je ne sais, sais pas. Et donc je leur dis, je suis nulle pour ça. Je suis mauvaise. Donc ne venez pas chez moi. Mais par contre, je peux tout entendre et j'essaye vraiment de... de, de d'accueillir euh, bah, toutes les souffrances qu'on me raconte, bah, le mieux que je peux. Euh, mais c'est sûr que moi, j'ai quand même... Euh... Donc, donc je crois qu'on peut dire aux alors je crois que le mieux quand même, c'est de se renseigner, tiens, euh, par des amis. Alors c'est vrai que c'était à l'université, et c'est en fait assez vrai. On dit rarement, euh, mon sexothérapeute est tellement sympathique, parce que déjà, comme c'est de l'ordre de la euh, alors c'est pour ça que on peut dire thérapie de couple, vous voyez, ou la thérapeute. Moi j'ai un diplôme de coach aussi parce que je me suis dit ça va faciliter. Ah oh, la coach, oui, c'est déjà moins difficile que dire la sexologue, quoi. Alors, on se dit tout de suite c'est ce qui Oui vas-y ben, si j'osais dire que j'étais chez une sexologue. Je sais pas ce que j'ai comme problème, vous voyez. Donc voilà, euh, moi, moi j'avais fait un peu exprès d'avoir ce, 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 ce papier en plus de coach parce que c'était plus facile. Et donc souvent ils m'appellent la coach. Les patients. Moi. Bon, voilà, je suis quand même sexologue et thérapeute de couple. Voilà. Je pense que vraiment, surtout pour les petits-enfants, encore plus que pour euh, nous qui avons quand même déjà normalement un certain discernement, hein, quand on n'est pas trop fragilisé aussi, euh, c'est quand même important d'aller chez quelqu'un qui vous a été recommandé. Les médecins de famille sont souvent, si vous, avez, si vous avez confiance dans vos médecins de famille, vous demandez aux médecins de famille. Vous voyez si vous sentez du, du bon sens, souvent alors eux ils ont un petit carnet d'adresses. Euh, bon moi je dis par rapport à, à je dis toujours aux patients, euh, dites si je dis des choses, euh, vous les passez par le filtre votre, de votre conscience, hein, quand même. Vous Voyez parce que je dis toujours c'est ce que je crois, mais après euh, surtout aux plus jeunes, ça je dis dix fois par, par, par séance, mais je répète, je dis voilà moi il me semble que, mais qu'est-ce que tu en penses, vous voyez? pour réfléchir ensemble, quoi, ou, ou discerner avec tes parents, ou, je sais pas moi, vous voyez. Euh, parce que les thérapeutes, on n'est pas des gourous, hein. Moi, j'ai des patients, ils arrivent chez moi, séparés, par exemple. Je pense à un couple, ils étaient séparés depuis huit mois. Et puis, je sais pas qui les avait renseignés pour venir chez moi. Euh, parce qu'on sait bien que j'aime bien les couples, donc sans doute qu'il y en avait un des deux dans le couple, je ne sais plus lequel, qui avait envie de récupérer son mari. Je crois que c'était la femme, maintenant je me souviens. Et euh, ce couple, en fait, avait l'air d'avoir pas tellement de problèmes. Enfin, vous voyez, j'allais dire des petits problèmes de réajustement. Pff, enfin, ils étaient, il fallait surtout pas qu'ils se séparent. J'ai dis Mais pourquoi vous l'avez quittée, votre femme Ah, oh, ben la psychologue m'a dit qu'elle qu était toxique. J'ai dit Elle l'a vue Ah non, elle ne l'a pas vue. Ah oui c'est pour ça que je trouve que la thérapie de couple est quand même moins dangereuse, parce qu'on a deux adultes qui vivent depuis quand même souvent un petit temps ensemble, voire des années. Et alors, pour le thérapeute, c'est plus clair en fait. On voit donc madame qui dit quelque chose, puis monsieur qui fait ça, vous voyez. Donc on se dit alors madame, c'est vrai, qu'est-ce que vous me racontez Je vois que votre mari n'est pas d'accord avec ce que vous dites. Donc, donc euh, oui, mais bon, je voulais dire que non, mais quand même, vous voyez plus, moi, moi c'est pour ça que j'aime bien le travail de, 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 de thérapie de couple, parce qu'on est moins moi, myself, mon ego, mon ressenti, et, et moi, 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 et moi qui suis la victime aussi d'ailleurs. Et l'autre qui est tellement méchant, depuis toujours, tout le monde est méchant. Enfin, j'exagère un peu. Oui, Vous avez remarqué que j'aimais caricaturer, mais parfois la caricature permet quand même de retenir un peu des trucs, quoi. Je pense qu'il y a énormément de thérapeutes. Moi, j'ai beaucoup d'amis thérapeutes, psychanalystes, qui sont extraordinaires. Hein, donc, et elles font un, un travail fantastique. Moi, j'aime bien mon travail de thérapie de couple, mais j'ai beaucoup d'individuels aussi. Hein. J mais j oui, voilà. J'ai beaucoup d'individuels aussi, mais je, je, je trouve que le travail de thérapie de couple est, est moins dangereux pour le couple. Voilà. Donc, si vous avez des, des, des problèmes, allez plutôt chez des thérapeutes de couple. C'est plus... Enfin, voilà. Je, je, si... Moi, je, je, je t'en prie, Nicolas. Je reste là. Oui, mais moi aussi, j'avais tous des copions, hein, parce que sinon, je parle dans tous les sens. Hein. Oui, oui, mais merci parce que c'était, je pense, nécessaire. On a pris un peu un risque au niveau diocésain en organisant cette conférence, mais le risque, c'est bien. Et il fallait le dire. L'audace. L'audace, il faut Audace. oser. Euh, Comme je l'ai dit... Euh... Saper, ça, ça au dééré, savoir oser, vraiment, c'est important. quoi. Oui. Et Moi, je te laisse parler. Non, non, c'est très, très, très bien. Et d'ailleurs, la prochaine conférence qui sera la dernière du cycle, on va travailler avec un professeur de, de morale sociale qui va travailler sur la question de la, de la pudeur dans l'art. Oh, euh, justement, sur ces questions de, bah, de, de présence de la sexualité dans l'espace public. Et euh, voilà, c'était fraction de l'intime. Je peux faire une toute petite parenthèse Oui. C'est intéressant parce que souvent, quand on va dans les classes de, de sixième primaire, on a un petit outil à partir, justement, de la pudeur dans l'art. C'est très important, je trouve. Oui. Voilà, donc ce sera soit le premier, soit de le deuxième lundi du mois de juin. Et le, voilà, vous restez en contact avec la, avec la Pastorale familiale et avec la Pastorale de la solidarité et on vous donnera toutes les infos. Et donc voilà, n'hésitez pas à, à partager ce que vous avez vu et entendu aujourd'hui. Donc la vidéo sera disponible. Donc n'hésitez pas à inonder. Est, on est en plein milieu de. On commence les, le côté électoral et donc c'est important d'informer. Et donc c'était aussi le but de, de cette soirée, c'est vraiment d'informer et de, et de former les consciences. Évidemment, votre conscience, elle est à vous. Vous la formerez comme vous voudrez, mais des enseignements comme aujourd'hui, ils sont, ils sont vraiment fondamentaux pour, pour protéger nos familles, protéger les enfants et, euh, et oser parler de la famille, finalement. Mmh. Et merci beaucoup à vous pour l'organisation, hein, parce que comme <laughs> tu dis, vous avez besoin quand même d'audace pour faire ça. Donc vraiment, merci beaucoup et pour le, le sérieux et le souci et le, et, et le dialogue dans lequel on a construit ça. Merci. Voilà. Voilà. Bonne soirée à chacun. Bon retour. Merci. Merci Nicolas. Et alors, donc, si vous voulez voir